street food, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais en ce moment, c'est la mode. On parle que de ça, la street food. Tout le monde essaye de réinventer. Ils essayent d'innover, de faire de la street food, mais en mode haut de gamme, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen. Vous le savez, cette saison, on est ensemble désormais jusqu'à 18h, l'heure à laquelle l'avant Cyril se couchait avec un Lexomil. Et à format XXL, programmation XXL, au sommaire aujourd'hui, je vous lis en tout cas ce qui est écrit sur le tableau dans l'open space, Street Food et Nicole Garcia. Alors évidemment, je vous rassure, en deux temps. Hein. D'abord la Street Food, puis Nicole Garcia, on va pas parler boboune avec une des plus grandes réalisatrices françaises. Non, Nicole Garcia nous rejoindra à 17h pour fêter l'ouverture de la Mostra de Venise, où elle a été membre du jury. Vous pouvez enlever la musique de L'aile ou la cuisse. Mais salut à l'écoute. L'aile ou la cuisse n'a pas été primée à la Mostra, malheureusement. Mais pour l'heure, on va zoomer comme chaque après-midi sur un mot dans l'air du temps. Et ce mot, aujourd'hui, qui est dans l'air du temps depuis un bon moment, à tel point que certains se demandent si l'expression n'est pas un peu galvaudée. Zoom donc sur la street food. La passion de la Marianoche, la street food. On peut même dire que c'est ce qui lui plaît le plus dans les voyages, découvrir la street food locale dans les estaminets où les cuisines sont aussi bien souvent les toilettes et où aucun inspecteur de l'hygiène n'a pointé son nez depuis 1996. Elle vit pour ça. La preuve, cet été, Manon a pris la direction de la Corée du Sud. Au lieu de la street food, à chaque coin de rue, un charmant boui-boui lui tendait les bras. À chaque fois, elle se disait « j'y vais pas ». CV, son petit ami, très aventureux, lui aussi, lui disait « on n'y va pas ». Finalement, vous savez quoi? Manon a fait ce qu'on appelle dans le jargon du snobby une Mathieu Noël. Alors que les plus belles perles de la street food s'offraient à elle dans cette ville de Séoul, elle a sorti son iPhone, allez hop, appli guide Michelin, filtre 2 étoiles et plus, budget 300 balles et plus, et hop, voilà, impeccable, on réserve. J'ai appris du meilleur. Alors, la street food... Franchement, Manon, rencontrer quelqu'un plus snob que moi au sein de ma propre équipe, oui. ça m'a choqué. Vous l'avez fait pourtant. Hein. Mais oui. Parce que oui, ce que je dis là n'est pas inventé. Le restaurant était très bon. Ah oui, mais j'imagine, à 2 étoiles, c'est rarement aussi. Dégueu. Et vous avez mangé qu'une fois? Non, mais non, j'ai mangé un peu de street food aussi. Ouais. La street food, est-ce qu'à l'instar de Manon, on n'est pas en train d'en revenir un peu? Le fait que la gastronomie se soit emparée du phénomène n'est-il pas de nature à dévoyer ce qu'est intrinsèquement la street food? Son succès est-il un symptôme de la mondialisation ou au contraire une forme de résistance à celle-ci? Oui, je sais, toutes ces questions, on dirait la fin d'un d'où ça sort. Mais non, c'est juste Zoom Zoom Zen qui commence. France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Et bonjour Mina Sundiram. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, d'autant qu'on vient d'apprendre que vous venez de Montpellier en voiture pour nous voir. Alors ça vraiment, c'est chapeau. C'est aucun, sympa. Aucun invité. Même Nicole Garcia ne le ferait pas. Oh, ça, je ne pense pas. En quoi que. Elle conduirait pas en tout cas. Tout est possible, elle aurait un chauffeur, ça serait différent. Fidèle complice de notre collègue François-Régis Gaudry, que les auditeurs d'Inter connaissent bien, les gourmands. En tout cas, Mina, vous êtes journaliste, spécialiste de la cuisine et même spécialiste, on peut le dire, de la street food, oui. Ce qui tombe bien aujourd'hui. On vous voit dans l'émission Très Très Bon sur Paris Première, émission donc de François-Régis Gaudry. Et vous êtes aussi en charge des contenus food pour le média Vidéo Brut, parce que vous êtes moderne, comme nous. Alors Mina, vous allez nous raconter l'histoire de la street food, nous dire aussi où elle va, c'est ce qui nous intéresse. Juste le temps de vous présenter mes acolytes, à commencer par Quentin, lui, franchouillard pur jus, qui n'a jamais déjeuné ailleurs que dans une brasserie. Entre côtes frites, pourquoi se compliquer la vie? Et sa position officielle concernant les fumisteries de la street food, comme il les appelle. Bonjour Quentin. Ouais, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. J'ai l'impression que c'est Cyril. J'ai l'impression d'être Cyril, quoi. Vous avez ce côté terroir. Oui, j'aime bien. Ouais. Alors, chaque après-midi, vous allez interroger les passants pour savoir ce qu'ils pensent de notre mot. La street food, à part vous, tout le monde aime. J'ai tellement plus le temps de me nourrir avec toutes ces chroniques que vous me forcez à faire que j'en viens, moi aussi, à manger debout dans la rue avec les doigts, avec mon micro et le câble. C'est pas pratique d'ailleurs. Bref, je suis allé près des Tuileries parler avec celles et ceux qui mangent sur le pouce. Prenez un micro sans fil, ça sera plus simple. À vos côtés, Mina, elle n'a pas manqué une seule de vos chroniques dans Très Très Bon. Elle note scrupuleusement les adresses dans ce même carnet Rodia où elle consigne aussi déjà toutes les informations importante à prise dans Zoom Zoom Zen. Vous vous demandez comment tout ça peut tenir dans un carnet? Eh bien, c'est un très gros carnet. C'est évidemment Manon Mariani. Bonjour. Manon, rebonjour, puisqu'on s'est déjà parlé. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas dit bonjour aux gens qui nous écoutent. C'est important de dire bonjour aux auditeurs et vos fans, surtout, qui nous écoutent en nombre. Ils sont très nombreux, oui. Manon, chaque après-midi, et surtout quand le sujet vous parle comme ça, vous nous conseillez une personne à suivre si on veut en savoir plus. Et je ne l'ai pas choisi au hasard, car justement, il s'agit d'un Coréen qui parle de street food asiatique sur YouTube. Alors, même si je n'ai pas tout goûté en Corée, eh bien, ça m'a donné envie d'y retourner. Et oui. Les autres rendez-vous de Zoom Zoom n'ont pas bougé. Le sacro-saint Zoom Zoom Test, l'inébranlable humoriste juste avant 17h. Aujourd'hui, vous retrouverez Harold Barbet. Mais d'abord, parlons donc street food. Mina Sundiram, déjà, est-ce que la street food, c'est de la gastronomie? Vous considérez comme ça? Bien sûr, la street food, c'est de la gastronomie. Ça dépend ce qu'on met dans le terme gastronomie.
on peut parler de haute gastronomie, et la gastronomie est différente dans chaque pays. Donc par exemple, si on va dans les pays d'Asie du Sud, par exemple en Thaïlande ou au Vietnam, la street food, c'est la gastronomie locale en fait. C'est les gens, il n'y a même pas de terme en fait, c'est même pas de la street food, c'est leur façon de manger quotidienne, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Face à vous, Mina, la dernière fois qu'il a tenté la street food, c'était dans une échoppe de Dakar. Au tournant des années 2000, un mafé d'agneau à la banane plantain, résultat 6 jours d'ITT. Et cet ultime mail envoyé à son ex-petite amie en France, tu avais déjà vidé mon cœur, le mafé a vidé le reste. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu Noël, c'est vraiment, c'est la classe. Le pire en pire. Zoom Zoom Zen, saison 3, c'est la saison de la classe. Je raconte vos tribulations, vos tribulations africaines. Et j'ai eu aucun problème de ce genre. Lors de... Alors Cyril, même si cette expérience quand même au Sénégal, où je t'invoile pudique dessus, mais oui, ça, vous êtes un peu échaudé. Racontez-nous la street food, d'où ça sort? Eh bien, je vais vous lire ce qu'on trouve sur le site internet Street Foodie quand on cherche les origines de la street food. Oui, la street food existe depuis que l'homme a créé les premiers centres urbains. Les traces les plus antiques d'une alimentation préparée et cuisinée dans la rue remontent au début de notre civilisation, il y a environ 10 000 ans. À ce stade, deux options. Soit j'en reste là parce que tout est dit, soit je me lance dans la grande histoire de la street food et on est parti pour remonter 10 000 ans en arrière. Faisons entre les deux Pompéi. Ah oui. Vous savez ce qui s'est passé à Pompéi? Je sais, le volcan. Oui, une éruption du Vésuve qui a enseveli la ville, ça on sait mais on s'en fout. Récemment, Madonna a loué la ville, hein, enfin ce qu'il en reste, pour fêter son 66e anniversaire. Elle a loué la ville? La ville, une semaine entière, tout frais payé. Et comme ça, Madonna, elle régale ses amis, et pas avec de la street food. C'est le chef Fabrizio Melino, 3 étoiles au Michelin, qui était au fourneau. Il leur a fait des pâtes à la Nerano. En dessert, il y avait de la panna cotta à la vanille. C'est le dessert préféré de Madonna. Et comme ça, vous pourrez le ressortir pour briller dans les dîners en ville. Bref. Oui, alors la street food, Cyril, d'où ça sort? Eh bien, je vous l'ai dit, de Pompéi. On est en 79 après Jésus-Christ, notre sauveur. Et les habitants de Pompéi mangent dans les rues le midi du canard, du poisson, des lentilles. L'offre est variée. Ils mettent ça dans une sorte de lunchbox de l'époque. Et hop, vas-y que je me balade avec mon déjeuner. Figurez-vous qu'on a retrouvé des traces de ces restaurants de rue dans ce qui restait de la ville détruite. Plus tard, bien plus tard bien sûr, il y a eu le fish and chips que les Anglais mangeaient dans du papier journal, c'était au 15e siècle. Puis le premier restaurant mobile de Walter Scott aux États-Unis, c'était en 1872. Un wagon en bois tiré par des chevaux, il vendait des sandwichs et des tartes à celles et ceux qu'il croisait. Qui étaient bonnes, je crois, vous les aviez goûtées à l'époque. Oui, avec Jolly Jumper. Alors, est-ce que la street food, c'est vraiment bon? Est-ce que c'est encore une cuisine populaire? Qui en mange? Est-ce que le jambon beurre, c'est une street food à la française? Est-ce que le McDo, c'est de la street food? Est-ce que street et junk vont de pair? Madonna aime-t-elle les kebabs? C'est ce qu'on va voir durant une heure. Beaucoup de questions. Je crois pas, on ne pourra pas toutes y répondre, je pense. Merci Cyril. Mina Sundiram. Alors Cyril nous a parlé de Pompéi. C'est vrai que pour qui a visité Pompéi, on se souvient de ces stands où on nous expliquait que là-dedans, il y avait des produits de street food. On n'appelait pas ça comme ça, évidemment. Mais le vrai berceau de la street food, pour vous, c'est où? Bon, alors, évidemment, c'est Pompéi. On en trouvait aussi en Grèce antique. C'était sur les ports, les marchands de poissons qui faisaient frire un peu des petits poissons. On en retrouvait également en France au Moyen-Âge. Donc en fait, la street food, c'était un peu partout dans le monde. Mais moi, pour moi, le berceau, c'est l'Asie du Sud. La street food telle qu'on l'entend. Voilà, telle qu'on l'entend. Moi, je pense stand avec la fumée qui sort, je pense friture, je pense... N'y pensez pas trop parce que là, ça m'excite. il est 16h13 et c'est déjà l'heure du goûter. Voilà, mais tous ces stands, un peu, ça rissole, ça frit, ça cuit. Et puis, vous avez ces petits tabourets en plastique, ces tables en plastique sur lesquelles on mange en Asie. Voilà, pour moi, c'est la street food, ça vient d'ici, ça vient de là. Et pourquoi c'est là-bas que ça a pris tout de suite? Il y a un côté culturel ou c'est qu'est-ce qui appelle l'autre, la street food ou la culture? En fait, comme je disais en début d'émission, là-bas c'est culturel. En fait, c'est le repas. On mange dans la rue. Il y a des pays toutes classes sociales confondues. Historiquement, aujourd'hui, c'est tout le monde, mais à peu près toutes classes sociales confondues. À l'époque, les bourgeois, enfin, ce sont les gens qui servaient les bourgeois qui allaient leur acheter leur nourriture dans la rue, qui leur rapportaient. Aujourd'hui, par manque de place dans les appartements. Dans les appartements, on n'a pas de cuisine. Ou simplement par manque de temps, en fait, on mange dans la rue. Et aujourd'hui, c'est vraiment un way of life, quoi. C'est un mode de vie là-bas. Il y a très peu de restaurants, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez voyagé en Thaïlande, au Vietnam, enfin, dans ces pays d'Asie du Sud. On mange rarement à l'intérieur. On mange beaucoup dans la rue, au cul du camion, sur des stands, etc. Donc, c'est vraiment un mode de vie. Ils sont nés avec ça, en fait. C'est arrivé par là...
C'est pas comme en France où c'est la mondialisation, l'essor du voyage, où la street food est arrivée en France au 20e, 21e siècle. Là, c'est clairement leur façon d'être, de manger. On compte, même si c'est difficile pour ceux qui commandent déjà très faim à 16h14, on continue de parler street food avec vous, Mina. Je disais avant-hier que la musique anglaise n'avait plus produit grand-chose d'intéressant depuis Oasis. Et si j'avais eu tort, ce serait bien la première fois, mais c'est envisageable. Voici The Streets, Let's Push Things Forward sur Inter. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. Let's push things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger, the broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Spit jewels like Eastern riches, junkie fixes. Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres are shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. France Inter. Zoom Zoom Zen. Très groovy ce nouveau jour avec Zoom Zoom Zen. On part dans la street cet après-midi avec vous, Mina Sundiram, journaliste gastronomique, grande amatrice de street food. Alors justement, vous, comment vous êtes venue à vous spécialiser quelque part dans la street food? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le concept? Alors moi, en fait... Alors déjà, je pense qu'on le connaît tous ici. J'ai rencontré François-Régis Gaudry. Ah ben l'immense. L'immense François-Régis Gaudry. À mon arrivée à Paris, j'avais 20 ans. Il était rédacteur en chef de la rubrique food à l'Express et j'étais stagiaire. Et en fait, le midi, bah, j'avais pas énormément d'argent et donc j'essayais de dégoter des petits... C'est le problème souvent quand on travaille à France Inter. Voilà, enfin, quand on est journaliste, bon, partout. Bref. J'essayais de dégoter voilà, des endroits pas trop chers où on mange bien. Et en parallèle, on travaillait ensemble et donc il a commencé l'émission Très Très Bon sur Paris Première. Et il s'est dit pourquoi on ne donnerait pas à Mina une rubrique de finalement ce qu'elle mange, ce qu'elle fait tous les midis. Mais c'était encore un peu exotique à l'époque parce qu'aujourd'hui, les auditeurs en sont témoins. La street food, tout le monde consomme de la street food tous les jours, partout, il y a des stands, parcs et restos de rue qui s'y mettent. À l'époque, c'était un peu encore sensationnel. Ah ouais.
Bah clairement, là aujourd'hui par exemple, c'est une à deux ouvertures par semaine. Donc en fait, ça fait 15 ans, bientôt 15 ans que je suis dans cette émission. Toutes les semaines, j'ai eu un tournage. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. D'ailleurs, je me souviens que mon premier tournage, c'était à un pas de taille. Et voilà, ça, c'était pour moi la street food. Je voulais faire quelque chose d'Asie du Sud. Et donc voilà, mais c'était difficile à en trouver, c'est sûr. Rappelez-nous, même si je le rappelle, c'est douloureux pour moi qui est très fin, c'est quoi un pad thai ? C'est le plat emblématique de la gastronomie thaïlandaise ? Exactement, c'est le plat emblématique de la street food thaïlandaise et ce sont des nouilles sautées avec des pousses de soja, des légumes, des condiments, de la sauce, tout ça sauté au wok et on en trouve vraiment partout dans les rues de Bangkok. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans un tour du monde de la street food, comme c'est le projet secret de Quentin, lui. Quel pays doit-il choisir en premier ? Le pays de la street food, c'est la Thaïlande ? Alors, bon, je ne sais pas si je suis très objectif parce que je suis un quart vietnamienne. Ah. Mais Quentin, si vous voulez commencer votre tour de la street food, votre tour du monde, pour moi, c'est le Vietnam, c'est Ho Chi Minh. Pour moi, c'est la capitale de la street food. Il faut commencer par le banh mi. Et vous savez, ce sandwich héritage colonial français, d'ailleurs, dans une baguette, avec du pâté, de la charcuterie, des légumes, des crudités. Pour moi, ça, c'est le must. Comment je repère les meilleurs ? En fait, là-bas, tout est bon. Donc, on a des guides, on a des gens comme moi, par exemple. Moi, c'est un peu mon... Parce que c'est mon métier, mais c'est aussi mon hobby. Donc, je parcours un peu les rues pour découvrir les meilleurs spots. Mais en réalité, là-bas, il y a peu de chances de se tromper. Quand j'étais à Séoul, je voyais plein de stands où on mettait dessus des images tirées de Netflix ou de documentaires. Parce qu'en fait, ils étaient genre trop contents d'être passés dans un documentaire. Ça, ça veut dire que c'est un sigle. Il faut y aller, c'est bien... Oui, bah alors c'est street food. Je pense que vous parlez de street food sur Netflix. Voilà. Moi je les ai pas fait ces stands, mais ils sont dans ma liste. Alors je sais pas si c'est parce que c'est filmé comme ça, mais ça me fait extrêmement. Et justement ça rejoint ma prochaine question. En préparant l'émission, j'ai lu dans un livre du chef Jean-François Mallet que la street food est un patrimoine vivant, une forme de résistance à la mondialisation. Là c'est un peu l'inverse du coup. Si c'est passé sur Netflix, maintenant tout va s'uniformiser. Bah oui, aujourd'hui c'est l'inverse. Enfin, c'est une résistance parce que. Enfin, dans ces pays-là, oui. Après, dans les pays occidentaux, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la mondialisation. On assiste d'ailleurs... on a une ouverture par semaine. Je parle de Paris, et c'est très, très marketé. Il y a des logos. Il y a à peu près beaucoup de spots se ressemblent. Et on va reparler dans cette émission, mais la street food, ça peut être aussi maintenant associé, en tout cas, de la très haute gastronomie. En 2017, le guide Michelin a décerné une étoile à un stand de street food à Bangkok, quelque chose qui aurait été inimaginable, ne serait-ce que 10 ans auparavant. Ça, c'est une bonne chose pour vous ou ça va dévoyer un peu la street food ? Alors, c'est un événement assez rare parce que, à ma connaissance, le stand de JFI, donc le stand qui a une étoile à Bangkok, c'est le seul stand de street food à avoir une étoile. Donc, je pense pas que ça. Ça reste unique. Voilà, ça dévoile. Je pense que c'était un coup et que. Lui, la street, c'est son terrain de jeu. Il y passe ses matinées entières. C'est en tout cas ce qu'il affirme quand on lui demande pourquoi il n'est toujours pas au bureau à 11h45 et qu'au téléphone, on entend derrière lui une voix susurrer « Tesoro, mola quel telefono e torna al letto d'ami ». Quentin, lorsque vous êtes effectivement dans la rue, et ça doit quand même vous arriver 2-3 fois par jour, demandez aux gens ce que leur inspire notre mot. Alors, la street food, ça plaît ou ça agace ? Eh bien, ça commençait plutôt bien. J'arrive au bord des Tuileries et pile devant moi, je vois cet homme accoudé à son vélo électrique dernier cri, pâtisserie à la main, qu'il déguste sur le pouce. Mais en m'approchant, je me rends compte que quelque chose ne va pas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça a l'air d'être la galère. Trop. J'ai perdu ma pièce d'identité, carte bleue, la totale. Et là, je suis en train de manger, vous voyez, un millefeuille Angelina pour me réconforter. Avec les doigts en plus. Et en train de penser, c'est là que je l'ai perdu, vraiment dans le coin, quoi. Là, je suis en train de faire opposition. Et là, ça marche pas. Farid vit ce qu'on pourrait qualifier une belle journée de merde. Néanmoins, surtout qu'en plus, tu l'interviews. Néanmoins, il se penche sur notre mot du jour. Street food, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? J'ai mangé hier dans une street food, Binks. C'est des smash burgers, etc. et tout, qui se situe à Paris. Oh, c'est bon, street food, c'est bien. Mais en ce moment, c'est la mode. Hein. On parle que de ça, la street food. Tout le monde essaye de réinventer. Thierry Marx, etc. et tout. Ils essayent d'innover, de faire de la street food, mais en mode haut de gamme, quoi. Comme en ce moment, j'ai toujours été tenté par les... comment on appelle ça ? Les espèces de trucs langoustes, là. Un espèce de pain. Les lobsters. Lobster, voilà. Ça, c'est un truc pour moi haut de gamme. Street food. Ah, ok, j'ai faim, il a gagné. Avant de repartir, Farid me propose. J'aurais bien voulu partager mon millefeuille là chez Angelina, mais j'ai croqué dedans alors.
compliqué. Covid en ce moment. On va faire de la street food à ce point-là. Quoi. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est la street food. On partage avec les doigts. Au croisement de la rue Saint-Honoré et de la rue d'Alger, je remarque cette dame qui scrute les vitrines. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux avoir votre prénom ? Françoise. Est-ce que je peux avoir votre âge ? 84 ans. La street food. Vous en mangez où de la street food ? Pas vraiment. Je me fais ma cuisine avec mes produits du terroir. Et est-ce que vous mettez de la tomate dans votre burger ? Je ne mange pas de burger. Est-ce que vous avez bien mangé avec vos doigts ? Oh, ça, sans aucun problème. Ouais. De toute façon, mes artichauts, je les mange avec les doigts. Non, non. Ouais. Je suis hostile à rien du tout. C'est la qualité qui m'intéresse. Finalement, tant que c'est bon, personne n'est contre. Je passe sous les arcades de la rue de Rivoli, puis devant un célèbre hôtel, je tombe sur lui. Costard vert pâle, cravate violette, pomme à la main. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux avoir votre prénom ? Laurent. Laurent, tout en costard. Vous allez où comme ça ? Dans les Tuileries, manger ma pomme. Pourquoi c'est la pause déj ? Exactement, c'est la pause déjeuner. C'est quoi votre métier ? Directeur d'hôtel. Le directeur de l'hôtel en personne qui fait sa petite pause déj. Nous parlons ensemble de la... Ce que je pense de la street food ? Est-ce que manger une pomme avec les doigts, c'est la street food ? Ce que j'aime pas de la street food, c'est que j'aime pas manger n'importe quoi. Donc je préfère manger dans mon bureau des plats préparés par moi et manger ma pomme, qui est un fruit, un bon fruit en street food, à ma façon. Parce que pour vous, la street food, c'est forcément junk food, c'est de la malbouffe ? C'est de la malbouffe pour moi, oui, c'est ça. Et en plus, dans le quartier, manger un sandwich pour une dizaine d'euros, je trouve que c'est un peu exagéré. Donc voilà, vous mangez mal et c'est cher, donc aucun intérêt. Je lui fais remarquer qu'il ne peut pas nier une forme de phénomène. Même des grands établissements s'y mettent aujourd'hui, il doit en savoir quelque chose. Alors effectivement, dans notre restaurant, justement, le hamburger est quelque chose qui est demandé de plus en plus. Ouais. Et qui effectivement se mange dans un restaurant avec là des couverts, etc. Et on voit que les gens préfèrent manger dans un restaurant au calme, avec une fourchette et un couteau, un hamburger qu'ils pourraient manger avec leurs doigts dans la rue. Voilà. La street food, on l'a enfermé, quoi. C'est ça. La street food, aujourd'hui... C'est quoi votre péché mignon sandwich ? Avec quoi ? Moi, c'est le jambon de pays Cantal. Voilà, mais avec du bon pain, et pas du pain déjà digéré. Au revoir. Je remonte vers l'Opéra Garnier quand je rencontre cet étudiant, ma dernière rencontre, Adilson, la jeune vingtaine. La street food. Moi, quand je pense street food, par exemple, latino, je pense aux tacos, quesadillas, tout ça. C'est pas de la junk food, parce que c'est typique de l'endroit. Je dirais que c'est leur spécialité à eux. La street food, ce sont aussi évidemment les plats typiques des pays d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique. Ceux qu'on mange dans la rue, debout avec les doigts, je l'interroge. La street food, en se démocratisant, même dans les grands restaurants, est-ce qu'elle a perdu son âme ? Je pense que les grands restos, tout ça, se sont approprié un peu. Ouais. Donc ça a dû perdre un peu le côté de... Vraiment, c'est un truc que tu manges dans une petite cabane à Mexico, tu vois, par exemple. Et ouais, je pense que ça a perdu quand même un peu de son truc, mais... Ils ne pourront jamais remplacer ceux de la street, vraiment de la rue en fait. Rien ne remplacera la rue, je suis bien d'accord. Le plaisir de découvrir, de goûter à la va-vite sur le pouce à l'angle d'une rue ou d'un comptoir auquel on s'accoude. Vive la street food. Vive la street food. Ah, j'avais presque réussi, c'était presque un sans faute. C'est vraiment dommage. J'ai dérapé. Oui. Attends, on la refait. Pas accroché, j'ai ripé. On la refera demain. Mina Sundiram, journaliste spécialisée en street food, est avec nous. Ce dernier témoignage qu'on vient d'entendre résume pas mal de choses. Est-ce que si on sort la street food de la rue, ça n'a pas plus vraiment de sens en fait. Pour la déguster, pour l'apprécier vraiment, il faut être dans un boui-boui. Parce que manger de la street food avec une nappe blanche et un service 3 étoiles, c'est contre nature. Bah, comme son nom l'indique, street food, nourriture de rue. Donc si on la mange à l'intérieur, dans un restaurant, à table avec des couverts, c'est plus de la street food, non ? Ça n'aura plus la même saveur. Exactement. Maintenant. C'est quoi la différence, s'il y en a une, entre street food et junk food ? Parce qu'on l'a entendu, il y en a beaucoup qui font un peu la comparaison. Alors ça, c'est l'histoire de ma vie. la question qu'on me pose le plus souvent. Bah, en fait, la junk food, c'est junk, donc c'est gras, c'est calorique, c'est pas forcément très bon pour la santé. Repas de gueule de bois, quoi. Exactement. Un pad thai, forcément, par exemple, un pad thai, c'est équilibré. Oui et non, ça dépend combien de matières grasses vous mettez dans votre wok, mais la street food, c'est pas forcément de la junk food. Notamment, je reviens sur les pays d'Asie, mais même au Mexique, par exemple, c'est pas forcément de la junk food. Mais le burger, qu'on mange debout dans la rue à emporter, Ça, c'est un peu des deux. Ok. Mais finalement, c'est ok. Ok. Manon. Oui, on rapporte souvent aussi... j'ai déjà posé cette question-là. Mais c'était une très bonne question. Oui, c'était une très très bonne question. Non, mais Quentin, vous avez une question à poser, il me semble. Non, est-ce que vous avez le souvenir d'un pays ? On parlait d'Adilson qui est allé voyager, il parle de Mexico, on ne l'a pas encore abordé. Est-ce que vous êtes allé vous balader dans ces coins-là ? Ah oui. Partout ? Oui, alors presque partout, j'ai encore pas mal de Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Taïwan. Ah ! Taïwan. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas en street food ?
On trouve surtout des raviolis, enfin des dumplings. Mmh. Ça, c'est bon, un ça. Peu légion là-bas. Ouais. Je vous vois un peu dubitatif. Non, non, suffit. Je vais découvrir. Voilà, c'est une cuisine qui est très, très métissée, pluriculturelle. Et j'ai vraiment envie d'aller à Taïwan. On m'en parle très souvent. Faut que je trouve aussi d'autres... Parce que je ne suis pas toute seule, j'ai une famille. Donc, aller dans 10 spots de street food par jour, ce n'est pas forcément leur truc. Vous donc, arrivez encore à être surprise parce que vous dégustez dans des petites échoppes comme ça ou au bout d'un moment, vous commencez à connaître les filons de toutes les cuisines locales? Je suis surprise quand je voyage, pour être très honnête. À Paris, c'est plus difficile de me surprendre. À Paris, alors vous nous disiez qu'il y a une ou deux ouvertures par jour d'équivalent street food, restaurant équivalent street food. Vous n'êtes plus surprise, jamais? C'est compliqué à Paris parce que la street food, un monsieur l'a évoqué dans votre micro-trottoir, le terme est un peu aujourd'hui un peu galvaudé, et donc c'est très marketé. Donc en fait, tout le monde veut se lancer sur le créneau street food. Et alors, chacun y va de sa spécialité. Moi, on m'a déjà appelé en me disant, j'ai un local, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut marcher? Bon, pour moi, ça, c'est rédhibitoire. Voilà. Faut avoir moi, pas une idée. Ouais. Voilà, pour moi, c'est avec le cœur, en fait, la cuisine en général. Donc... Ouais, c'est difficile de me surprendre aujourd'hui. Ouais. Il va falloir prendre des billets d'avion et partir loin. Et ça, c'est pas bon pour notre empreinte carbone. La street food est partout, à chaque coin de rue. Et même désormais à la table des restaurants gastronomiques qui s'en inspirent. Elle est tellement partout, tellement mainstream qu'on se pose la question cet après-midi. La street food est-elle en train de perdre son âme? Comme jadis Cyril dans un cybercafé de Dakar. On continue d'en parler avec notre invité Mina Sundiram qui a testé tous les stands de street food du monde, sauf Taïwan. Et qui connaît forcément toutes les réponses du Zoom Zoom Test. Ce qui clairement n'est pas le cas de Manon et Quentin. Le quiz à suivre après un titre que je me suis étonné de trouver sur la playlist d'Inter. Je me suis dit Tino Rossi, c'est audacieux. Mais après vérification, j'ai découvert que ce n'était pas cette Méditerranée-là qu'on allait écouter, mais celle de Junior. La chaleur accablante s'en met sur le rivage. Thank you.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter. Visiblement, Quentin, vous avez quelque chose à dire non, sur ma liquette du jour. Je trouve que vous êtes éponge. C'est l'éponge. C'est l'éponge. C'est un style éponge. Et donc, vous démarrez le quiz avec un point en moins. C'est l'heure du quiz. On ne se dérobe pas au Zoom Zoom Test, même si aujourd'hui c'est doublement flippant puisque vous jouez sous l'œil inquisiteur de la papesse de la street food, notre invité Mina Sundiram. Alors attention, top. Il est 11h15 dans une rue adjacente à Radio France, Cyril Lacarrière, qui a tenté, sous les ordres de son épouse, un régime sans glucides au petit-déj, air, à gare, dans le quartier en hurlant « À manger ou je bute un clébard ». Aucune brasserie n'étant ouverte, Cyril commence à voir sa vie défiler devant ses yeux, alors la 106 de Beau-Papa, le Why Not de Potocombo, le FBI, quand soudain, il s'arrête, l'œil vitreux, la bave aux lèvres, devant un camion proposant une spécialité québécoise. Mais laquelle ? La Staline ? Non, ouais, d'accord. La Mélenchon ? Ça va, Mathieu, quand même. Ou la Poutine ? C'est ! Of course. Qui a répondu en premier ? C'est Manon ? Comment, Manon, avez-vous pu imaginer une seconde que cette question ferait partie vraiment du Zoom Zoom Test? Vous avez un point. On est naïf. Ex-aequo, zéro, zéro. Effectivement, la poutine, bien sûr, plat emblématique québécois. Plat québécois avec une recette basique des frites, du fromage et de la sauce brune. Et la meilleure poutine, on la trouve dans un établissement sobrement intitulé Les Poutineurs à Caen. Un prix décerné en 2024. Ah, faites-nous un peu l'accent. Exactement ce que je disais. Mon Dieu. Prix décerné en 2024 au cours de la Poutine Week, qui donc, oui, existe. La Poutine Week. Et ça existe. Attention, top retour à Paris, où le jeune Quentin, lui, veut inviter sa go à dîner pour la mettre bien, comme on dit, et essayer de se rattraper après l'échec relatif de leur dernière escapade avec la boxe Week-end Romantique dans les Deux-Sèvres. Que idiota, non fami più una questa merda, aurait déclaré sa fiancée italienne, visiblement pas conquise par le charme discret de la campagne niortaise. Alors, pour se rattraper, quel concept de street food existant, j'insiste sur le mot existant, Quentin va-t-il choisir ? Le taco sushi, tectonique des plaques culinaires approchant les continents américains et asiatiques, la kebaflette, tartiflette au kebab lorsque les Alpes rencontrent l'Atlas, ou le hot aman, subtile alliance du hot dog et du Queen Amman. B3. B. Pour vous, c'est la kebaflette. Ouais. C'est ça que vous avez fait goûter mignon. À votre amie. Oui, Annie. Elle a apprécié. Ah, oh oui. Vous êtes toujours ensemble ? On a passé une très belle nuit. Ok, c'est une mauvaise réponse de Quentin. Et Quentin... Je viens de réaliser ce que vous venez de dire. Oui, mauvaise réponse pour tout le monde. C'était la A. Le taco sushi existe. Ah. C'est un trésor de la street food. Moi, j'ai arrêté les sushis. Une algue nori légèrement frite qui se referme sur du riz blanc et une délicieuse pièce de poisson cru. Malheureusement, parce que c'est ça que vous aviez consommé, évidemment, une fichue allergie aux algues a eu raison de Quentin et son système digestif a relâché le poisson cru dans les eaux tumultueuses décidément. Du canal Saint-Martin. L'histoire ne dit pas s'il est remonté jusqu'à la rivière de sa naissance pour s'y reproduire. Le poisson, pas Quentin. Oh. Mais attention, je reviens à présent car nos moyens de cette saison sont illimités. Du futur. Plus précisément, je reviens de juin 2025. Notre Marianoche termine la saison de Zoom Zoom sur les rotules et, comme elle le dit elle-même, pour une fois, rien de sexuel. Harassée par le rythme infernal de ses deux heures quotidiennes et surtout de son dernier week-end au Technival de Chablis. Après un bilan compétences en ligne sur le site www.toncompteformationcemamoula.fr, sa décision est prise, elle va se lancer dans le fooding de rue avec l'aide de Quentin qui, en bon camarade, lui a retapé un Fiat Multipla avec un but à gaz dans le coffre. Merci Quentin. Mais voilà, il faut trouver un nom. Or, beaucoup de noms sont déjà déposés. Ah. Ina le sait. Parmi les suivants, saurez-vous deviner lesquels ? Walk on the Wild Side ? Ah, c'est marrant. Abra Kebabra ou Brad Pitt ? Les trois. A et B. Ça, c'est sûr. A et B. J'aime quand vous prenez cet air pénétré et intelligent, Quentin. On sait jamais. Pour donner des mauvaises réponses. Excellente réponse de Manon, c'était les trois. Comme quoi, il n'y a pas que les coiffeurs qui ont le droit d'être créatifs ou super avec Brad leurs enseignes. C'est pas mal. Les street fooders ne sont pas les derniers. Il y a aussi Roule Mamoule et mon préféré... Say My Names. Ah ouais. Enfin, attention. Après quoi, la Marianoche. Attention. Bonne idée. Attention, le cerveau humain est détraqué, mais à quel point exactement ? Lequel des food trucks suivants existe véritablement ? Le Taco Beast, basé sur une machine à damer les pistes de ski, il propose de servir des tacos aux skieurs. Le Sushi Paddle, une initiative d'un jeune helvète qui propose de servir des sushis aux occupants des bateaux qu'il croise sur le lac Léman. Ah. Ou la Flying Calzone, initiative américaine, commander une pizza en ligne qui vous est livrée dans votre jardin par drone. B. Vous misez sur le je vais dire la C, les drones, j'y crois pas. Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse. A et C. Vous avez réussi à vous planter dans Quentin. Oui, c'est la réponse A, toute seule. Le food truck qui dame aussi les pistes. Mais les autres idées sont tellement bonnes, c'est vrai que je laisse qui veut s'en emparer. Je file les droits d'auteur, je m'en fous d'autant plus que je les ai moi-même volés à mon auteur, Gérald Darnaud. Victoire de Manon Mariani. Étonnant, même elle n'y croit pas. Magnifique. Vous connaissiez le taco beast, Mina ? Non, absolument pas. C'est dommage parce que
profiter de la street food sur les pistes. Une sorte de snow food finalement, ça va loin. Zoom aujourd'hui sur un phénomène auquel vous n'avez pas pu échapper puisqu'il est partout, la street food. Mina Sundiram, vous êtes spécialiste de cette cuisine de la rue. On a parlé des stands de street food qui pouvaient être étoilés au Michelin. Quand on voit se multiplier surtout tout simplement les restaurants en dur dans les centres-villes de nos villes par exemple en France qui s'affichent street food, vous nous disiez ça commence à bien faire, ça commence à vous agacer parce que c'est rarement très intéressant finalement. Oui, parce que finalement, la street food, c'est de la nourriture de rue qu'on mange au cul du camion, dehors, vous le disiez, debout, à la main. Pas forcément à la main d'ailleurs, en Thaïlande, c'est à la cuillère ou à la baguette, peu importe. Mais c'est vrai que quand je vois street food sur des restaurants, avec un burger à table ou quoi, c'est pas de la street food. Mais alors, la vraie street food, si on veut respecter le cahier des charges, il faut aussi, quand on va dans certains pays, notamment asiatiques, derrière chaque boui-boui, il y a une histoire, il y a une famille. C'est pas un truc qu'on a ouvert par idée marketing, machin. C'est une tradition qui se passe de mère en fille ou de père en fils. Exactement. Par exemple, dans le documentaire dont on parlait, Street Food de Netflix, la cuisinière étoilée, elle a une histoire qui est super forte. Elle était couturière. Toute sa maison a pris feu, elle a perdu tous ses outils, donc elle a pris un wok, elle s'est mise à cuisiner. C'est comme ça qu'elle est devenue cuisinière, etc., qu'elle a ouvert son stand. Donc il y a des histoires fortes aujourd'hui. Alors je parle de la France parce que je connais bien la street food en France, mais y a le marketing a pris le dessus. Et donc en fait, voilà, on a des super spots avec des beaux logos, des beaux visuels, des belles DA, des slogans, etc. Est-ce que c'est toujours de la street food ? Mais surtout, pardon, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas su inventer, peut-être c'est juste pas notre culture, on fait que répercuter ce qu'on voit à l'étranger, mais il n'y a pas de street food française vraiment, si ? On peut dire que le jambon beurre. Le jambon beurre, c'est de la street française. Food. Bah, oui. Pourquoi pas, c'est un sandwich. Et le kebab ? C'est oui, quand même devenu le roi, le kebab, oui, quoi. Oui, alors le kebab, c'est les ouvriers turcs qui l'ont apporté à Berlin. Et nous, on a un héritage aussi berlinois, levantin, etc. Donc on n'a rien inventé, nous. Mais oui, on a une très très forte culture du kebab en France, ouais. Manon ? On peut faire de la street food chez soi ? Alors, on peut, oui, on peut, mais on n'appelle pas ça de la street food. Si je me fais un burger et que je vais le manger dans la rue, ah, c'est de la street food ? Oui, mais pour moi, en fait, la street food, c'est vraiment quelque chose qu'on consomme dans la rue, qu'on achète, qui se mange facile, qui est accessible, qui est populaire, une cuisine métissée. Mais c'est pas une mauvaise question. Est-ce qu'il faut forcément être une entreprise pour proposer de la street food ? Bah, si vous voulez la vendre, oui, sinon c'est illégal. Ouais. Si vous voulez la faire mais dans le monde entier, ça ? Alors, je ne connais pas vraiment les lois dans les autres pays, mais je pense que c'est très réglementé. Okay. En Thaïlande, c'est extrêmement réglementé. Ah bah, c'est la réponse à ma prochaine question. J'allais vous dire, du haut de mon incompétence totale, en France, si ça ne démarre pas, si on n'a pas des petits stands au cul du camion, ça, c'est parce que la législation bride les initiatives comme ça, il y a trop de contrôle, etc. Alors qu'en Thaïlande, n'importe qui peut monter son petit camion. Ce n'est pas le cas, visiblement. Non, ce n'est pas le cas. C'est assez réglementé, mais c'est plus simple qu'en France. En France, quand la street food a commencé à prendre de l'ampleur, on avait les food trucks. Je me souviens, le premier camion burger, c'est le camion qui fume. Oui. On en avait plein d'autres. Aujourd'hui, on n'en va pas trop parce que c'est compliqué de se garer, la mairie ne délivre pas d'emplacement, etc. Donc c'est compliqué et ça, je le déplore. Manon, mais vu que tout le monde commence un peu à faire la même chose, ça veut dire qu'il y a, je suppose, beaucoup de restaurants qui ferment aussi. Ouais, exactement. En fait, alors ça, c'est un peu... C'est un peu mon petit pouvoir, c'est que quand je vais visiter vous un spot... Vous faites fermer un restaurant. non, ça j'espère pas, mais j'arrive à savoir, en fait, je vois la sincérité derrière et j'arrive à savoir si dans un an ou deux ça fermera. Comment vous le voyez ? Vous leur dites ? Non, jamais. Dieu, quelle horreur. Mais ils ne me revoient plus. Et ceux qui me revoient, c'est... Voilà, mais non, ça se voit, c'est marketé, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, ça se voit. Par exemple, je prends un spot que j'aime beaucoup qui s'appelle Urfadurum, c'est des durums, c'est des sandwichs turcs kurdes. C'est dans mon quartier, ça. Voilà. C'est dans le 10e ? Voilà, dans le 10e. Voilà. 10e arrondissement de Paris. Voilà, eux, vous connaissez, il n'y a pas de marketing, il y a des petites chaises en bois. On sent l'authenticité. Voilà, ils s'en foutent des médias, ils s'en foutent du buzz. Et ça marche, et ça a ouvert depuis des années. Ouais. Dans une rue parallèle, il y a concept sur concept. Ouais. Et la fameuse galette saucisse du marché des Lices à Rennes, par exemple, du dimanche matin. Food. C'est de la street food. Ah bah oui. Bretonne, mais on adore. Ah bah oui, c'est de la street food. Ouais, à la française, c'est vrai. Ouais. C'est breton. Le pan bagna niçois, c'est de la street food. Ouais. Oui, en fait, on a des street food par région. Exactement. Et est-ce que c'est le cas aussi dans ces pays asiatiques dont on a beaucoup parlé ? C'est par région ou, parce que c'est vrai qu'on n'a que pas de Thaï en tête quand on est français. Dans chaque région thaïlandaise, il y a différents plats de street food. C'est pas toujours exactement. Le même. Voilà, c'est par région. Alors venez pas me chercher sur les régions. Mais oui, c'est par région. Comme en Chine, on a le canton, etc. Au Vietnam, par exemple, à Hanoï ou Ho Chi Minh, on a des spécialités différentes. Vivement qu'on aille tous au Vietnam. À vos frais. À vos frais, bien sûr. Aux frais de Mina. La pauvre, elle est déjà venue en voiture depuis Montpellier. On peut y aller en voiture. En business. Oui. Vous écoutez France Inter, il est 16h44.
Manon, vous qui adorez la street food tant qu'elle est pasteurisée et réalisée au sein d'un food truck dûment contrôlé par les services d'hygiène et qui n'avait pas foutu un pied, je le rappelle, dans les mille et un stands de street food mais que vous tendez les bras à Séoul quand vous étiez en vacances. Vous êtes vraiment la plus qualifiée de cette équipe pour nous aider à aller plus loin sur le sujet. Et je vous présente Yummy Boy, un pseudo énigmatique pour cette chaîne YouTube aux 7 millions d'abonnés, car on ne sait pas vraiment qui est derrière, qui est ce fameux Yummy Boy dont les vidéos cartonnent. On sait seulement qu'il est coréen. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que le concept de sa chaîne YouTube est simple, filmer des stands de street food asiatique. Les vidéos sont principalement tournées en Corée, mais il y en a aussi au Japon, en Thaïlande ou en Malaisie. Là, par exemple, vous entendez du riz et des œufs en train de frire dans un stand de street food en plein cœur de Séoul. 66 millions de vues. Et c'est la grande particularité de cette chaîne YouTube. Mis à part le son des aliments qui sont en train d'être cuisinés, il n'y a pas d'autres interactions. Yummy Boy fait de l'ASMR de street food. Et oui, ces vidéos sont donc très minimalistes. Les stands de street food ou les restaurants ne sont jamais filmés de dehors. On est plongé directement dans la cuisine avec les aliments filmés de très près. Même le chef qui les cuisine n'apparaît pas à l'écran. Il n'y a évidemment aucune interview et aucune réaction des clients. Yummy Boy partage aussi les adresses de ses établissements, mais seulement dans la description de la vidéo, où il met la localisation sur Google Maps comme si c'était des endroits secrets qu'il fallait retrouver. Et je dois dire que ces vidéos sont assez addictives. Déjà parce que c'est calme, en plus ça donne très faim, et surtout parce qu'on découvre des spécialités de street food asiatique, on en parlait, qui font partie intégrante de la culture de ces pays. Des ramen, du poulet frit, des brochettes de bœuf, des nouilles épicées. Il y en a pour tous les goûts, Mathieu, je sais que vous avez faim. Oui. En Corée, certains stands de street food sont même recommandés par le guide Michelin. On parlait d'étoiles, mais aussi les recommandations du guide Michelin. Là-bas, ce n'est pas considéré comme de la sous-nourriture. Au contraire, vous l'avez dit, Mina, perso, j'ai mangé un tartare excellent dans un marché de Séoul cet été, et je m'en rappelle encore. C'était bien de le préciser quand même, malgré la caricature que j'ai faite de vous tout à l'heure. Et merci, oui, Manon. Yummy Boy, vous connaissez, oui. Amina, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, tout ce qui démocratise la street food, c'est super. Vous êtes pour. Alors, Mina Sundiram, reste avec nous, on continue de manger avec les doigts juste après La Femme. Ciao Paris sur France Inter. Bye-bye Paris for today, and tomorrow we'll see. Bye-bye Paris, sur cette mélodie. Ciao Paris, au revoir Sylvie. It's been such a long time, I'm gonna get along. Now I get along, oh, I'm gonna get mad. Tripping around, jumping on a triathlon. I wanna see the light, I don't wanna get sad. Bye-bye Paris, goodbye PCC. Goodbye Pigalle, goodbye Bastille. I'm gonna give a kiss, one for my mommy, one for my dad. Bye.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter. La cuisine de rue est-elle à la rue ? Avait proposé Quentin comme titre d'émission. Ma réponse fut simple, non. On parle street food cet après-midi avec une spécialiste figure de l'émission Très Très Bon sur Paris Première, Mina Sundiram. Il est l'heure de poser la question. Celle qui vraiment déchaîne les passions dans l'équipe, en France en général. Le tacos, oui ou non ? Alors, le tacos, le French taco ou le taco ? Parce qu'on dit un taco, des tacos. Le French taco. Le French taco. Le French taco. Donc, qui vient de Lyon. Voilà. Je ne vais pas me mettre des auditeurs à dos. Pour moi, c'est non. Ah, c'est un non ferme et définitif. Pourquoi ? Ça vient de Lyon ? Ça vient de Lyon. Ouais. Alors, expliquez-nous déjà ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de goûter cette merveille. Alors, c'est un sandwich entre le panini, le wrap, le kebab et le burrito. Tout ça. Oula, ah voilà, oui. Il y a du fromage, des frites à l'intérieur, c'est pané, voilà. Les frites sont à l'intérieur. Ouais. En fait, c'est non tout simplement parce que pour moi, ce n'est pas un taco. Mais c'est oui si on l'appelle autrement. C'est juste l'appellation qui vous dérange. Moi, ça me dérange l'appellation. Alors, taco. Qu'est-ce qu'un taco, un vrai bon taco ? Alors, un vrai bon taco, donc c'est mexicain, ça se mange souvent par trois, c'est un trio de tacos. C'est pour ça qu'on dit les tacos. Voilà, exactement, un taco des tacos. Et donc, c'est souvent une galette de maïs fourrée avec de la viande, ou alors elle peut être végétarienne, mais c'est pas roulé, il n'y a pas de frites dedans, il n'y a pas de fromage, c'est même plutôt, c'est pas de la junk food d'ailleurs. Ouais. Et pour moi, c'est très 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 différent, ça n'a rien à voir avec le French taco. Donc moi, je renommerais le French taco en fait. Vous nous disiez tout à l'heure, l'appel est lancé sur l'antenne de France Inter, et je pense que dans la soirée, le nom sera définitivement abandonné. Je vais mettre beaucoup de gens à dos. On parlait tout à l'heure du côté business. Vous entrez dans un local, dans un nouveau restaurant de street food, et vous savez tout de suite, il sera encore là dans 3 mois, dans 6 mois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait fortune dans la street food ? On a en tête, comme ça, a priori, des petits stands, comme ça, sympathiques, familiaux. Est-ce qu'il y a des Rockefeller de la street food ? Je pense que oui. Là, comme ça, en tête, j'ai les premiers spots de burgers qui se sont implantés en France. Je pense notamment à Big Fernand, PNY, Blend. Ah oui, eux, c'est sûr qu'il y a de la moula derrière. Voilà, peut le dire. Voilà. Ouais. J'imagine que eux, avec le nombre d'adresses qu'ils ont en France, à Paris, en France, j'imagine qu'ils ont fait fortune, oui. Mais sinon, ce qui vous plaît, moi j'ai l'impression, dans ce concept de la street food, c'est que ça reste quelque chose d'humain, un plaisir de partager de la nourriture avant tout. Bah, pour moi, c'est un vecteur de lien social, c'est métissé, c'est populaire. Donc en fait, dès que ça sort de ça, bah, y a moins ce côté authentique, quoi. Donc moi, c'est le partage, tout ça. C'est ouais, on s'en met plein les doigts, peut-être que c'est trop gras, mais c'est pas grave. Vous avez goûté un plat d'un grand chef, on parlait de Thierry Marx tout à l'heure dans la rue, qui a mis un peu de street food dans sa carte. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça ? Alors j'en ai goûté plusieurs, je sais que Marc Vera avait un food truck, Édouard Loubet, Alain Ducasse a ouvert un spot à burger qui était pas mal, à Bastille qui était très bien, donc je dirais Alain Ducasse. C'est vrai que tous les grands chefs se sont plus ou moins essayés à la street food, mais il y a toujours ce côté un peu haute gastronomie qui ne convient pas à la street food. Et alors vous n'allez pas y couper, il va falloir nous donner quelques adresses maintenant parce qu'on n'en peut plus d'avoir faim. Dans des grandes villes de France, 3 adresses. Bon alors je dirais pour les banh mi chez Angela. Je crois que c'est rue Turbigo à Paris, dans le 3e arrondissement. Voilà. Notez tout ça maintenant dans le petit guide, dans le petit carnet de Zoom Zoom Zen. Exactement. Alors, je reste encore à Paris, mais le 3e, j'irai en France. Mais pour moi, les burgers, c'est Dumbo. Mmh. Oh là là ! Ah, c'est vrai que c'est bon. Oui, rue Martel. Exactement. Il y en a un nouveau dans le Marais et un aussi à Pigalle. On s'y retrouvera, chers auditeurs, le vendredi soir notamment. Et donc voilà, ça, c'est les smash, c'est nos spécialités de burger qui est très, très, très en vogue en ce moment. Et après, peut-être un pan bagnat niçois. Oh oui. Ah oui, bah c'est bon. Alors, il me semble que c'est chez Tintin. Chez Tintin ? Ouais. Qui à Nice. Voilà. Tout à fait. Non, Cyril n'en peut plus non plus et qui me demande de dire mais où l'adresse exactement ? Pan bagnat niçois. Vous tapez Tintin à Nice. Oui, c'est niçois. Vous savez peut-être qu'on vend des pan bagnat ailleurs qu'à Nice. Oui, très peu. Moi, je ne les mange pas ceux-là. Lui non plus, il ne sait pas manger sans s'en foutre partout, mais il s'en fout. C'est un métalleux. La street food, c'est déjà un concept beaucoup trop raffiné pour lui. Bonjour Harold Barbet. Salut les maboules. Alors, vous ne tenez pas un food truck, mais votre barbe devient une sorte de garde-manger ambulant si vous ne la champouinez pas tous les matins. La légende dit que si on l'écarte, votre pilosité faciale en deux, eh bien on découvre le même micro-univers que celui du casier de Tommy Lee Jones dans Men in Black. Wow, toute une aventure.
Alors c'est fou parce que je rentre des États-Unis, j'ai bouffé gras chaque jour, à tel point que j'arrive plus à fermer mes pantalons et j'ai dû retourner chez mes parents pour chercher le jogging après son que je portais au collège. Et là, Cyril m'appelle pour me dire « Dis donc, tu voudrais pas venir nous parler de street food ?» C'est pas possible, il m'espionne le gars. Depuis, j'ai fait comme tous ces mecs un peu parano et j'ai mis du scotch sur la caméra de mon ordinateur. Ça me déprime de penser à mes vacances. Et quand je déprime, je mange de la street food. Et je me masturbe aussi. En vrai, c'est aussi pour ça que j'ai mis du scotch sur la caméra de mon ordinateur. J'en avais bien peur. Voilà. Cela étant dit, j'ai rarement fait les deux en même temps. Mais même une fois, c'est une fois de trop. Moi, j'ai plus le droit d'aller fêter un anniversaire chez Girafou maintenant. Donc tu vois... Street food. On dirait un titre d'action movie des années 90 avec Eddie Murphy et Jackie Chan. Traduction québécoise, nourriture de rue. C'est vrai que tout de suite, ça fait moins rêver. Enfin, à 22 balles le burger, c'est la nourriture de la rue, mais avec les prix de l'avenue Montaigne. Les riches qui s'approprient un truc de pauvre. J'aime bien. Il y a un côté multiverse de film Marvel. Mettre des couverts en bois dans la bouche de ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans le cul. J'aime bien. Street food, c'est vraiment donner un nom stylé à un truc qui existe depuis toujours en fait. Mais c'est pas parce que tu donnes un nom un peu classe que c'est forcément bon. Moi mon chat, il mange du gourmet 3 étoiles. Un jour j'ai cru que c'était du pâté et j'en ai mangé. Bah c'est clairement pas ouf. Il y a un côté je me la raconte dans la street food. Je suis allé me prendre un chili cheese dog au food truck. Alors que acheter un sandwich dans une boulangerie, finalement, c'est le même délire. Mais c'est vrai que ça fait moins bien de dire que t'as pris un jambon beurre à la Micaline. Il y a un paradoxe temporel dans notre consommation de street food. En général, on y va sur la pause déj officiellement car ça va vite. Mais est-ce que pour autant, on se dépêche de retourner au travail pour écouter les anecdotes de vie passionnantes de Karine ? Non, pas du tout, tu vois. En plus, le temps que tu gagnes à manger vite, tu le perds aux toilettes en essayant de nettoyer le ketchup sur ta cravate. Alors, je sais pas où, mais moi, je peux pas rester concentré face à un gars qui a une tache sur sa chemise. Ah, ça. Je la fixe en essayant de deviner ce qu'il a bouffé le midi. J'ai l'impression de passer le test de Rorschach dans une baraque à frites, tu vois. Une consommation réussie de street food est quand même largement conditionnée par la météo. Qu'y a-t-il de plus triste que de manger un bagel, seul, sous un porche, en s'abritant de la pluie, le regard vide, à penser que dans 45 minutes, on doit être de retour au bureau et qu'en plus, on aura des gaz tout l'après-midi ? Se retenir de péter quand son collègue de bureau, lui, ne peut pas se retenir de sortir une connerie toutes les 30 secondes, il y a un côté injuste. Mais en vrai, techniquement, les amis, qu'est-ce qui nous empêche le midi au travail de faire une gamelle bien saine ou d'utiliser nos chèques déjeuner pour s'acheter de la rémoulade ? Mais je vais vous le dire, moi, l'ennui. On consomme de la street food le midi en sachant pertinemment que c'est pas bon pour la santé, mais on se fait tellement chier dans la journée qu'il faut au moins que le midi soit fun. Conclusion de ça, les crises cardiaques et l'excès de cholestérol sont dus à un mauvais management et à des plans de carrière non attractifs. Je suis rédacteur sur Doctissimo. C'est bon. Et puis qui a vraiment envie de bouffer de la rémoulade ? J'ai rien que le nom, rémoulade. On dirait un jeu de quilles du Pays Basque. Bon, José, tu viens me faire une partie de rémoulade avec les pitchouns ? Il y a deux trucs que je sais pas faire dans la vie. Ne pas rajouter de supplément fromage chez Subway et les accents du Sud-Ouest. Non mais ça veut plus rien dire, street food. Tous les chefs étoilés lancent leur street food maintenant. Aujourd'hui, on peut manger du homard en street food. Il y a 30 ans, t'étais perçu comme un beauf si tu mangeais des burgers. Alors qu'aujourd'hui, c'est la classe. Classe comme moi, avec mon jogging à pression de début de chronique. Bam, la boucle est bouclée. Enfin, pas celle de ma ceinture, j'y arrive plus. J'ai servi trop de punchline. Va falloir digérer maintenant. Venez me voir les 6 et 7 septembre au point virgule. Je continuerai de vous régaler. Bon appétit. Le roi de l'autopromo. Merci Harold Barbet. Une tévenou, effectivement. Merci Mina Sundiram de nous avoir raconté la street food. Je rappelle que nos auditeurs peuvent vous retrouver sur Paris Première dans l'émission de notre collègue François-Régis Gaudry. Très très bon. Vous, chers auditeurs, vous restez avec nous puisque vous le savez, Zoom Zoom Zen, c'est désormais 2 heures d'émission. Juste après 17h, on va scanner l'actu avec Gourmandise en compagnie de celle que Cyril a présentée tout simplement comme la plus grande star qu'on ait jamais reçue dans Zoom Zoom Zen, ce qui est un peu injuste pour Jacques Pradel. L'immense Nicole Garcia sera avec nous pour évoquer un festival qu'elle connaît bien. Elle a été membre du jury, la Mostra de Venise s'ouvre aujourd'hui. Comment ça se passe dans les coulisses d'un grand festival ? Qu'est-ce qui s'y joue ? Un lion vaut-il une palme d'or ? De Venise, on se rendra en Corée du Sud où le fléau des deepfakes commence, vous verrez, à prendre des proportions inquiétantes. Le Zoom Zoom Zing sera l'occasion de s'écharper sur une question média aujourd'hui. Julien Arnaud, la présentation de Télématin sur France 2, bonne ou mauvaise idée ? On s'en fout ou pas ? Et puis bien sûr, vous savez à quel point l'interactivité me tient à cœur et constitue, je dirais, une pierre angulaire de Zoom Zoom Zen. Dites-nous ce qui vous interpelle dans l'actu en ce moment via WhatsApp en ajoutant le 01 45 24 7000. Vous nous laissez une note vocale ou deux si vous êtes inspiré. On rebondira, sachant qu'on a eu une note vocale le premier jour, 4 hier. On croise les doigts pour que ce soit exponentiel. Catherine Deneuve, per Place Vendôme. Émue, Catherine Deneuve a remercié son producteur. Et Nicole Garcia surtout qui m'a dirigée.
et qui m'a offert ce rôle qu'elle aurait pu s'offrir. Merci. Bonjour Nicole Garcia. Bonjour. Merci d'être la plus grande star qu'on ait jamais reçue dans Zoom Zoom Zen. Selon les mots prononcés avec une voix presque brisée par l'émotion de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, plus grande star et star taquine. Puisque vers 15h aujourd'hui, quand notre attaché de production Florence Jumalac vous a contacté pour vous demander si vous étiez bien dans le taxi, vous lui avez répondu « Oh, mais c'est aujourd'hui, zoom zoom truc !» Là, descente d'organes de Florence, mais quelle actrice, parce que c'était évidemment une blague, sacrée Nicole. Ne nous faites plus jamais ça. Hein, plus jamais, c'était terrible, on a vraiment tous eu... Ah oui, elle est pas bien, elle est pas bien la Florence. Un peu fragile en arrivant. Nicole Garcia, actrice de Que la fête commence, à Marcello Mio tout récemment, en passant par Le Cavaleur, réalisatrice bien sûr aussi, Mal de Pierre, le fils préféré, l'adversaire, pour n'en citer que trois. Ensemble, on va parler de la Mostra de Venise qui s'ouvre aujourd'hui. Vous y avez été deux fois en sélection et vous avez également fait partie du jury du festival, c'était en 2018. Vous allez donc pouvoir nous dire comment ça se passe en coulisses et si Venise, c'est mieux que Cannes. Zoom Zoom Zen avec une touche de glamour aujourd'hui, c'est parti. L'actu du jour à la sauce Zoom Zoom Zen, évidemment, moult sujets cet après-midi. L'arrivée de Julien Arnault à la tête de Télématin qui préoccupe beaucoup, visiblement, les membres de cette équipe. La disparition d'un spéléologue mondialement connu qui n'est pas Antoine Bueno. Stéphane Plaza dans la tourmente qui n'a même pas pu assister à l'ouverture de son propre procès car il n'est pas en état, ce qui attriste énormément Marie de Breuer. Vous écoutez Zoom Zoom Zen passé 17h et non pas d'erreur, on est désormais ensemble jusqu'à 18h. Chaque après-midi, en compagnie d'une personnalité qu'on aime, on se balade dans l'actu au gré de nos envies. Aujourd'hui, Manon avait donc envie d'en savoir plus sur ce festival prestigieux qui s'ouvre à Venise et dont elle aurait été certainement une habituée si seulement elle avait été plus studieuse au cours Florent. Ah, seulement voilà, les fidèles de Zoom Zoom le savent, Manon Mariani était une comédienne. Ah. Et pas tant, la question n'est pas là. La question n'est pas là, des extraits le prouvent, notamment cette séquence d'auto-promo qu'on avait enregistrée en 2022. Je crois plutôt que t'es atteint d'une violente fatigue informationnelle. C'est quoi la fatigue informationnelle? Bonne question, figure-toi qu'on va en parler dans Zoom Zoom Zen. Alors non, clairement le talent était là, mais voilà, François Civil aussi. Et comment dire, la présence de François Civil dans sa promo a quelque peu détourné Manon de son objectif initial, devenir actrice. Ce n'est donc pas à elle qu'on va demander de nous parler des coulisses de la Mostra de Venise, mais à notre invitée Nicole Garcia. Nicole, vous avez fait, je l'ai dit, partie de ce jury de la Mostra et j'ai envie de vous demander déjà, quand on est une grande réalisatrice, une grande actrice, on est convié, je dirais, naturellement dans un festival comme ça, de premier plan, ou bien on a, même à votre niveau de notoriété, des agents d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de réalisatrices qui font des appels du pied au festival pour être invités, pour faire partie du jury. Non, franchement, je crois pas. Je crois que c'est c'est la fonction, c'est le rôle, c'est le de à discrétion, comme on dit, du délégué ou du président de Barbera ou de Thierry Frémaux pour les nommer. C'est eux qui ont. Alors, est-ce qu'ils sont conseillés eux-mêmes? Mais je crois pas que ce soit un problème de manager et d'agent. Parce que c'est une position assez pour les agents. Ils veulent pas. On est assez. C'est secret, c'est discret, quoi. On n'est pas mis en avant. Les photographes ne viennent pas sur les acteurs du jury. Et alors, je vous pose la question annexe. Est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices qui militent, eux, qui appellent Barbera ou Frémaux pour... On les citera tous, nommément, tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, en tout cas, à Cannes, être deux fois. Donc, c'est bon pour eux, c'est one shot. On ne peut pas être deux fois membre d'un jury cannois. Nicole Garcia est avec nous jusqu'à 18h. On va parler de la Mostra, on va parler cinéma. Itutti quanti. Itutti quanti. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël. J'ai parlé sur le jingle parce que c'est un nouveau jingle. Tutti quanti, oui, car comme chaque après-midi, on va parler de beaucoup de choses. On va s'engueuler dans le Zoom Zoom Zinc, ce débat bon enfant qui va vous dévoiler la face cachée des membres de cette équipe quand ils s'expriment sans filtre sur une question d'actualité. Découvrir que Cyril est chauvin, que Manon est snob et que Quentin est focus, vraiment, fallait bien une nouvelle séquence effectivement pour s'en apercevoir. Aujourd'hui, pour ou contre l'arrivée de Julien Arnault à la tête de Télématin. Et puis, vous me connaissez, ça a l'air de passionner déjà notre invité. Je sens qu'elle a une opinion très tranchée sur la question. Vous me connaissez, ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse, m'intéresse fatalement. C'est pourquoi cette saison, Zoom Zoom Zen accepte les messages vocaux. Laissez-nous le vôtre. Dites-nous ce qui vous a surpris, amusé ou énervé dans l'actu de ces derniers jours. On partira en Corée avec Manon Mariani qui en revient avec des étoiles dans les yeux, mais aussi quelques inquiétudes. Hein. Manon, Nicole, Manon. Enchantée, Nicole. Et aujourd'hui, je vous parle d'un appel à l'aide lancé par des femmes coréennes sur X. Elles alertent la communauté internationale à propos d'un groupe Telegram très dangereux, bourré de deepfakes pornographiques. On en parle dans ma veille sanitaire. Face à vous, Nicole,
Gabriel Garcia, son unique lien avec le cinéma est qu'un jour, alors qu'il était VRP pour les Cafés Richard, il a livré Luc Besson dans son domaine de Normandie et s'était pris en photo avec Luc devant la Kangoo. Voilà, fin de ses liens avec le monde du cinéma, c'est dire s'il est ému de vous rencontrer aujourd'hui. Je peux pas tout faire. C'est Quentin, lui. Bonjour Quentin. Bonjour et bonjour Nicolas. Quentin, à force de sillonner nos régions pour vendre du café à des restaurateurs, et vous avez développé un solide patriotisme et un goût pour la PQR, la presse quotidienne régionale. Et j'ai ouvert la presse régionale de la région où vous avez étudié, Nicole Garcia, l'Hérault, Montpellier, puisque vous avez habité à Montpellier. Oui. Midi Libre rend hommage à un homme qui vient de disparaître et qui a œuvré pour nos cycles de sommeil, vous l'entendrez. Nos cycles de sommeil, ouais. Vous êtes sûr de votre info. Certains. Elle non plus n'a pas encore été invitée à la Mostra de Venise, mais ça ne saurait tarder. Elle est j'espère. Le soleil humoristique de notre émission, évidemment. Cyril, notre rédacteur chef, lui a dit aujourd'hui, tu devrais parler de Maria Carré, qui vient de perdre sa mère et sa sœur le même jour. C'est hyper poilant, puisqu'effectivement, Cyril, et je vous le dévoile, avait manqué de se péter une côte tellement il a ri à cette désopilante histoire. C'était horrible. Que n'a cependant pas choisi, je crois, Marie de Breuer. Et non, bonjour. J'ai choisi de parler d'une célébrité française. Aujourd'hui, c'est le procès de l'animateur télé Stéphane Plaza pour violence contre deux de ses ex-compagnes. Et personne ne sera surpris si je vous dis que je préfère Maria Carré à Stéphane Plaza. Côté humour, Tania Dutel sera là aussi en fin d'émission, mais c'est le moment de plonger dans la magie vénitienne. L'immense Nicole Garcia est donc avec nous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la Mostra de Venise où on écoute assez peu, je crois, finalement, Rondo Veneziano. Nicole Garcia, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival du film de Venise, à part évidemment d'être si bien situé? Voilà, c'est ça. Vous avez pris ma... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est d'être si bien situé, d'être dans voilà, une ville aussi magique et sur la lagune du Lido. Mais ça compte beaucoup, ça compte parce que Cannes est plus une très jolie ville, tout ça, sur la Riviera, mais elle n'offre pas tout ça, toute cette magie, mais à part ça, c'est vrai que on peut dire que c'est un, je suis vraiment très très bon juge pour faire une comparaison entre les deux festivals, surtout si les délégués sont et les présidents sont à l'écoute. Il faut que je fasse très gaffe à ce que je dis. Mais bien oui, bon là, elle préfère Venise. Attends, on raye son nom. Est-ce qu'on a le temps? Elle viendra la prochaine fois, tiens. Vous parlez de la magie de Venise, mais est-ce qu'on a le temps de profiter de la magie de Venise quand on est juré dans un festival comme ça? Non, quand on est juré, non. Mais quand on est, par exemple, comme ça a été mon cas de fois en sélection, oui, tu as le temps, parce que justement, il y a une pression, je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure, mais il y a une pression très différente à Venise. C'est beaucoup plus cool à Venise? Comment? C'est beaucoup plus cool? Ah, beaucoup plus. Ah oui, oui, c'est plus cool. Oui. Non, parce qu'il n'y a pas des plus et des moins, mais disons qu'à Cannes, il y a une telle pression, c'est tellement... je dis que quand on est en sélection à Cannes, le meilleur moment, c'est quand Thierry Frémaux appelle vers 11h du soir, juste avant la conférence de presse, pour dire « tu en es ». Et là, c'est une joie d'enfant qu'on a, c'est une explosion. C'est le meilleur moment de là. Après, tout est difficile. Ah, bon, bien sûr, quand ça se passe au mieux, bah, c'est une place de rêve être à Cannes et quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe pas bien, alors là, j'ai connu un peu tout ça, quoi. Mmh. Un peu deux fois très bien, une fois pas top, quoi. En quoi c'était pas top? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai présenté un film, j'avais présenté déjà L'Adversaire et après Mal de Pierre, mais au milieu, j'ai présenté un film qui s'appelle Selon Charlie. Mmh. Et là, encore, ça s'est pas bien passé. La presse n'a pas aimé, enfin, c'était alors qu'on partait gagnant, enthousiaste. Bon, c'était une sorte de... Et là, c'est terrible parce que c'est les gens qui vous adoraient la veille, forcément, ne pas vous voir. Enfin, il y a quelque chose de... On se sent coupable, coupable pour les acteurs avec qui on est, coupable pour les équipes de production et de distribution. On se sent... Et on se retrouve sur le retour dans le hall de l'aéroport de retour à Paris, quoi, et on s'agrippe à son chariot de bagages pour pas tomber tellement on veut mourir, quoi. À ce moment-là, ça peut être très dur. Ça, on le ressent pas à Venise. Non, Venise, c'est... Non, d'abord, je n'ai pas connu la même expérience à Venise, mais même pour ceux qui l'ont connu, ou pour qui le festival est passé de manière un peu plus indifférente, il y a une sorte de... il y a moins cette espèce de caisse de résonance incroyable qui est à Cannes, qui quand même, comme quelqu'un le dit, la mère de tous les festivals et le premier festival mondial. Un spéléologue nous quitte, un animateur télé s'éveille. C'est la suite du programme de Zoom Zoom Zen. Toujours un pied dans la lagune, on se retrouve évidemment avec Nicole Garcia et l'humour de Marie de Breuer qui rendra aujourd'hui un bel hommage à Stéphane Plaza. Juste après Adriano Celentano, Salutation sur Inter. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation.
siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation, valutation. Io muore Dio, non capisco perché. Tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me. Sulle tation, oh, sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me. Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël. S'amuser de l'actu avec un invité qui nous la raconte différemment. Chaque après-midi, Zoom Zoom Zen, c'est désormais de 16h à 18h. Notez-le dans vos agendas, Claire Fontaine. Aujourd'hui, on part à Venise. Fascinante cité des doges que notre invitée, la comédienne et réalisatrice Nicole Garcia, connaît bien. Nicole, vous logez où lorsqu'on vous invite dans le jury de la Mostra? Moi, c'est ça qui m'intéresse, des détails hôteliers. Non, non, je pourrais voir le nom de le plus bel hôtel, le plus beau. Le plus bel hôtel sur le Lido. Je voyais qui était sur la plage, je voyais qui était là, qui n'était pas là. Enfin, je décidais si j'allais à tel endroit ou à tel endroit. Je voyais tout le monde sur le transat. Sur les lagunes. On parlait de la différence de mentalité d'esprit entre Cannes et la Mostra et Venise. Il y a des codes aussi qui sont différents. Je sais, à chaque fois qu'il y a le festival de Cannes, on dit qu'il y a des tenues à éviter. Les hommes, ils ont l'obligation du smoking. C'est plus détendu aussi de ce côté-là à Venise. On fait un peu plus ce qu'on veut. Quand même que la parade est la même. Quoi. Il faut quand même quelque chose quand même de la fête, de la représentation. Des robes, des marques, des égéries, enfin, tout ce qui va avec, mais qui est de plus en plus important d'ailleurs, mais qui est pareil. Non, le glamour est là aussi. Quand je parle d'une pression différente, c'est merveilleux que ce soit quand même les deux plus grands festivals qui soient européens, c'est les deux plus grands festivals de cinéma du monde. Mais c'est un peu la même. Oui, c'est pas j'ai une différence de pression, mais oui, pour... Par exemple, votre pull, Mathieu, ça ne va pas du tout. Pour le metteur en scène. Mon pull, je pourrais pas me présenter à Venise comme ça. Non, l'idée faire. Ne me viendrait pas. Je l'ai mis parce que je savais que je vous voyais aujourd'hui. Donc voilà, la pression est encore plus légère. Mais est-ce que les grands festivals ne gagneraient pas à être plus simples, plus proches du public, peut-être moins guindés? Berlin est le cas, je crois. Berlin, c'est le cas. Mais moi, c'est pas guindé, mais les gens aiment bien aussi quelque chose qui soit. Donc, c'est partie de cette fête quand même. Tout va pas être. Il y en a qui sont moins. Oui, à Toronto, c'est moins. Enfin, mais là, oui, en plus, c'est au printemps à Cannes. C'est la fin de l'été pour Venise. Donc, c'est une sorte de festoiement. Pas forcé, je trouve, de la part des gens qui participent, il me semble. On ne se sent pas forcé de mettre une robe. Sur le plan cinématographique, est-ce que Cannes, c'est plus... sérieusement. Est-ce que sur le plan cinématographique, Cannes, c'est plus un télo et Venise plus populaire? Parfois, c'est comme ça que c'est un peu schématisé. Est-ce que c'est le cas ou en sélection, vous l'avez remarqué ou... Non, je ne crois pas. Plus populo, plus... Pas populo, hein, populaire. Juste des films, on se souvient du Joker, ils l'avaient montré. Oui. Cannes aujourd'hui, c'est la même chose que Venise. Ils sont pas, plus élitistes. Je crois. Après, c'est des sélections. Thierry Frémaux fait une très belle part au cinéma français. Il y a le cinéma américain que tous les deux se partagent. Oui, c'est pareil. Parce que dans la sélection de l'année, qui commence, vous le savez bien, dès le mois de décembre, tout le monde voit tous les films. Après, c'est celui qui. Il y avait un artiste qui disait de manière assez drôle qu'ils font tous les deux leur marché, si on peut dire ce mot un peu trivial, à Los Angeles pour. C'est vrai qu'il va attraper les meilleurs films américains. Voilà, c'est un. Mais je ne sens pas
une différence comme ça de style ou de... Vous êtes autant heureuse quand vous êtes sélectionnée à Cannes qu'à Venise ? Alors là, est-ce qu'ils écoutent les... Raster, sinon, c'est l'heure du goûter. Non. Oui. C'est les mêmes enjeux ? Non, c'est pas le même enjeu. Voilà. Mm. On est ravis quand on va à Venise. On est ravis. Mais aller à Cannes, c'est pour le film, pour ce qu'on va faire. C'est une chance. C'est un accélérateur. Ça change plus la vie du film. Oui, voilà, ça change la vie du film. Puis c'est merveilleux. On sait qu'il va partir dans plein de pays étrangers, aller vers des spectateurs, des sensibilités différentes et tout ça. Donc c'est un amplificateur. Quelque chose. Voilà, qui Venise, est un peu d'écosystème très vertueux pour le film, quoi. On sort de son tunnel du montage, l'ombre du montage, et puis d'un coup, on est livré aux lumières, pour le meilleur ou pour le pire, mais pour le meilleur, souvent. Comment ça se passe entre les jurés ? Parce que vous ne connaissez pas forcément, mais parfois, on n'y pense pas, le milieu du cinéma, c'est un petit milieu, vous connaissez, parfois même, il y a des détestations. Oui. Hein? Et donc, comment vous travaillez ensemble ? Ça se passe bien ? Il y a des engueulades, des vraies engueulades ? Oui, mais tout dépend beaucoup de la personnalité du président du jury, qui est là pour convoquer le jury plusieurs fois pendant la compétition, pour pas que tout soit réservé à la dernière minute avant les résultats. Et donc, c'est lui qui, selon le président du jury, c'est plus ou moins agréable, plus ou moins voilà. Moi, j'ai connu deux expériences comme ça, mais c'était... On peut avoir des points, oui. Quand j'étais au jury à Cannes, avec Luc Besson comme président du jury, il y a eu des engueulades. Donc Luc Besson n'était pas un bon président du jury, ça c'est important, il n'a pas su vous tenir. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y avait des disparités d'opinions très fortes qui ont amené des gens à crier, à ne pas être d'accord, contre un film de Lars von Trier, avec un film de différent. Et puis après c'est ça aussi le cinéma, on s'empoigne, on est passionné. Venise c'est magnifique, mais l'Hérault c'est pas mal non plus. Alors je sais, Bayonne c'est assez loin de Montpellier. Là, c'est notre musique sud-ouest. Ah, super. Quentin, non seulement vous avez fait un jour la une de la presse locale, en l'occurrence l'Orne Hebdo, on s'en souvient, mais désormais vous la lisez quotidiennement pour nous. Parce que c'est vrai que nos journées sont bien remplies, que par exemple, si on vit à Lyon, on n'a pas le temps ni le réflexe de lire Le Pays Malouin. Voilà. On l'a découvert l'autre jour grâce à vous. Heureusement, vous êtes là. Mesdames et messieurs, écoutant sa France à lui. C'est dans les pages du Midi Libre qu'on feuillette à Montpellier et dans l'Hérault. Mes yeux sont arrêtés sur ce titre hommage. Michel Siffre, le spéléologue qui avait passé 69 jours dans la grotte de Clamouse près de Montpellier, est mort à l'âge de 85 ans. Certes, quelques jours après Delon, c'est peut-être passé inaperçu. Mais bon, en dévorant l'article, je découvre le parcours d'un homme fascinant. Tout en scrutant les photos en noir et blanc qui le montrent tout jeune avec son casque et sa lampe frontale. Lui qui a tant contribué à la recherche scientifique au travers d'expériences extrêmes. C'est une sorte de Mike Horn à la française. Mais avant, tu vois, Michael Horn, un truc comme ça, on pourrait faire ça. En 62, par exemple, Michel a 23 ans. Il décide de passer 2 mois sous terre dans un gouffre glaciaire des Alpes italiennes. Il va être coupé du monde, sans montre et sans moyen de connaître l'heure qu'il est, ni même le jour. Ce qui va lui permettre d'étudier le rythme de veille et de sommeil de l'être humain dans ces conditions. C'est son grand truc à Michel Siffre. Il a bossé sur nos cycles de sommeil, sans soleil, sans nuit, sans rien, sans savoir d'ailleurs si ça allait donner quelque chose, la magie de la recherche. Ouais, en 72, il remet ça, mais cette fois-ci, c'est financé par la NASA, qui passe 205 jours sous terre dans une grotte au Texas. Autant vous dire qu'il s'est bien marré en nous voyant nous confiner en 2020. Mais ce qui me touche et qui transparaît dans Midi Libre, c'est que sa dernière expérience en 99 à 70 ans, il l'a réalisée dans la grotte de Clamouse, à 40 km de Montpellier, au cœur de l'Hérault. Cette fois-ci, c'était 69 jours dans la grotte pour étudier l'action du vieillissement sur le rythme biologique. Quand il sort tout poussiéreux avec sa moustache blanche qui entoure son sourire, 300 personnes l'attendent et il leur dit « N'oubliez pas que les médicaments que vous prenez aujourd'hui à la bonne heure, c'est grâce à ma première expérience que vous la devez. » Convaincu d'avoir contribué à une meilleure approche des cycles du sommeil chez l'homme, Michel Siffre vient, à 85 ans, de commencer son grand sommeil, dernier sommeil justement. Ah, magnifique, merci. Quel médicament, je n'ai pas compris. Eh bien, en fait, il a étudié. Quand on n'a pas compris, c'est tout le problème. Quand on s'enferme dans une grotte sans soleil, sans rien, on ne sait plus où on est. Il était tellement décalé qu'il a réussi à montrer que l'homme avait des cycles pour dormir et être éveillé. Oui, il n'y a pas de médicament miracle, visiblement. Vous connaissiez la grotte de Clamouse, vous qui avez vécu à Montpellier ? Non. C'est dommage, parce qu'avant, c'était un lieu intéressant à visiter, pour se recueillir maintenant. Nicole Garcia, notre invitée, est habituée au raffinement des palais vénitiens, à la courtoisie des discussions constructives entre cinéphiles. C'est donc un choc qui l'attend avec la séquence qui suit, et dont rien que le nom fait peur. Nicole, bienvenue dans le Zoom Zoom Zinc.
Parenthèse bordélique, au cœur d'une émission bien tenue, chaque après-midi, j'invite mes collègues à dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, ou disent déjà tout haut dans l'open space, mais pas à l'antenne. Aujourd'hui, je leur soumets une question au cœur, vraiment de l'actualité, vous n'avez pas échappé. Évidemment, Nicole, ça vous a passionné toute la matinée probablement. Pour ou contre l'arrivée de Julien Arnault à la tête de Télématin. Julien Arnault, c'était jusqu'ici le joker de Gilles Boulot sur TF1, un journaliste réputé pour sa rigueur, je précise, un journaliste réputé pour sa rigueur et en tout cas sa franchise. Une perquisition a eu lieu aujourd'hui au domicile de l'auteur d'une tuerie ce week-end dans l'Allier. Il a abattu 3 personnes avant de se suicider. Dans ce journal hier, nous vous avons présenté par erreur cette photo comme étant celle du tireur. Il s'agit en fait d'un homme qui n'est en rien lié à cette affaire et qui est bien vivant, nous lui présentons bien sûr toutes nos excuses. Désolé. Alors, bon, hommage à Julien Arnault, en plus c'est un pote, ça fait mal. C'est un de vos amis. Oui, évidemment, je l'embrasse. Vous connaissez la règle, vous pouvez vous exprimer librement, mais quand vous dites trop de la merde, j'agite la clochette. Et à la fin, c'est notre invité qui donnera son verdict. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, c'est l'occasion de nous faire savoir, voir un avis sur cette question brûlante de Julien Arnault ou pas, à la tête de Télématin. Oh là là. Top, c'est parti. Cyril, puisque vous êtes le spécialiste média. Ah oui. Non, c'est terminé. Enfin, l'ancien. Marianne Hoche, à vous. Bah, non, mais je ne vais pas dire pour ou contre, je trouve ça un peu méchant. Je ne connais pas assez la personne pour juger. Après, là où je suis un peu contre, non mais c'est vrai, là où je suis un peu contre, c'est juste qu'ils auraient pu mettre une femme. Il y avait à un moment donné, on disait que ça pouvait être deux femmes à la tête de Télématin. J'aurais pensé que ça aurait pu être cool, oui, sachant que Bruce Toussaint est sur TF1 le matin et que c'est un homme. Bon, on aurait peut-être pu compenser. Et peut-être jeune, aussi un peu plus jeune. Parce qu'on a l'impression qu'on a. Bah, mais c'est vrai, pardon, il a un certain âge, une certaine expérience. Attends, Julien Arnault est très jeune, je pense qu'il est à peu près mon âge. Non, mais il fait plus vieux, comme vous, Mathieu. Non, mais. Ouais. Oui, mais il a eu l'élégance de se retirer de la télé. Vous. Mais vous êtes contre aussi. Non, mais moi, déjà, je savais pas qu'il fallait répondre hyper premier degré. Mais du coup, je vais le dire. Ton avis, je trouve que vous me connaissez pas du tout et vous pensez que, intermittente du spectacle, je regarde la télé le matin. Non, je regarde pas la télé et encore moins le matin. Donc, j'ai évidemment aucun avis. C'est vrai qu'on pouvait espérer un profil un peu plus jeune. On a eu William Lémergie pendant des années. Marteau, qui était directeur déjà à France 2, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être bien. On a rencontré une femme, ami à vous. Non, mais il y a une femme déjà, puisqu'ils ont recruté Flavie Flamand pour être co-animatrice de l'émission. Oui, mais c'est encore des noms. Voilà, Michel Drucker va re-signer une saison. Enfin, ça n'en finit jamais. Attention. On ne parle pas de Michel Drucker, qui est mal lancé dans le métier, qui est un ami. Si vous commencez à parler de Michel Drucker, vous allez démarrer le quiz de demain avec moins 3 points. Mais vous avez eu l'élégance d'arrêter la télé. On s'arrête là. Moi, j'ai eu l'élégance d'arrêter la télé. Oui, ça c'est vrai. Nicole Garcia, évidemment, Julien Arnault, c'est un grand oui. Vous l'adorez, vous le suiviez en tant que joker du JT de TF1. Je suis un peu comme vous. Hein. Ah bah oui. Je ne regarde pas vraiment la télévision et pas, surtout pas le matin. Donc mais je voudrais bien avoir une photo. C'est quelqu'un une photo tout à l'heure à me montrer. Bon, je pourrais vous montrer. Moi, j'en ai dans des photos intimes dans mon téléphone. Je vais vous montrer une photo où on est habillé. C'est Noël, mais qui fait plus jeune. Et allez. Ce qui vient de se passer est très grave. Nous y reviendrons demain. Rater le début de son procès, c'est jamais de bon augure pour la suite. Dans un instant, Marie Debreuer se penche sur le cas Stéphane Plaza, le célèbre animateur d'M6, dont le procès pour violence domestique s'ouvre aujourd'hui. Et visiblement, ça l'a fait marrer. Nicole Garcia, notre meilleure invitée, nous raconte sa Mostra de Venise à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui même du célèbre festival. Et puis, si vous n'avez pas eu les moyens de vous offrir un séjour en 5 étoiles Palace à Séoul cet été comme elle, Manon Mariani vous entraînera gratuitement en Corée du Sud, où tout part en sucette à cause des deepfakes porno. Vous verrez, comme dirait Pascal Praud, qui n'a pas toujours tort, ce monde va volo. Heureusement, il reste quelques belles chansons. Voici par exemple Mon épaule, Clou sur France Inter. M'ombrent les nuages, voilant ton visage, tes yeux. Aquarelle scintille tes cils qui sillent fébrile une larme. Étincelle, t'as les poings serrés, tu veux fracasser le mur ou le ciel. Ciel, sais-tu mon ami? Mon épaule est pour toi. C'est mon rôle, mon épaule est pour toi. Du soleil à minuit, voilà le rôle des amis. Allons
peux caresser tes plumes, laisser si ça te fait plaisir, te fait plaisir. Sais-tu, mon ami? Mathieu Noël sur France Inter. Zoom Zoom Zen se poursuit et poursuit sa plongée dans les coulisses de la Mostra de Venise. Tania Dutel va aussi nous rejoindre bientôt. Mais avant cela, elle n'aime pas que des petits-enfants handicapés n'aient pas de place à l'école à la rentrée. Elle n'a pas peur de le dire haut et fort, peu importe si c'est subversif. Marie Debreuer, chaque jour, plus qu'une chronique humoristique, je dirais que c'est un pamphlet que vous nous offrez. C'est ça, mais ce qui est chiant avec l'actu, c'est que c'est pas super marrant. Alors Marie, c'est quoi ton sujet? La guerre ou la fin de la démocratie? Et bah aujourd'hui, mercredi 28 août, c'est le procès de l'animateur télé et agent immobilier Stéphane Plaza pour violence contre deux de ses anciennes compagnes. Fun ! Et non, les violences conjugales, il n'y a que Tex qui trouve ça marrant. Et je suis assez sûre de moi pour dire que même si comme lui, je suis étonnamment un peu connue et je fais des blagues sur mes gros nibards, je n'ai pas le même humour que Tex. Déjà, si je présentais les amours, ça aurait une autre gueule. Hein. Martine, Jean-Claude, vous qui êtes dans une relation hétérosexuelle, qui de vous deux nettoie le plus les chiottes? Oh bah, c'est Martine hein. Mais quitte-le Martine, quitte-le. Ma version des amours, on va la renommer Les Amours, mais à la fin de l'émission, vous quittez vos maris nuls, ok? Ou plus efficace comme titre, Les Instances de Divorce. Tex s'est fait virer pour une vanne misogyne. Est-ce que je peux me faire virer pour des vannes misandres? Réponse demain dans le débat Zoom Zoom Zinc. Pour ou contre garder Marie? Bah pour, elle a d'énormes nibards. Ouais, mais bon, elle est un peu vénère. Puis elle entre dans le sujet de sa chronique 1000 ans après avoir commencé. Quoi. Bon, donc Stéphane Plaza accusé de violence par ses ex-compagnes. Quoi? Un homme qui bosse à la télé qui serait un gros tocard? Mais non! Voilà une réaction que personne n'a eue. Avec les hommes, c'est toujours pareil. Hein. Jamais étonné, toujours déçu. From Stéphane Plaza to l'abbé Pierre, en passant par insérer le nom d'un gars connu au pif. Il y a tellement de gars problématiques, j'ai une idée. Faire un blend taste spécial woke. Tu gagnes un point quand t'as l'artiste et un point quand t'as sa casserole. Ok, par exemple, Alexandrie. Alexandra, c'est Claude François et il était pédo. Ouais, deux points pour Marie. Deuxième chance. Thank you. Next. Thank you. Ariana Grande et elle est végétarienne. Et bah non, Cyril. C'est pas un problème des végétariennes. Bon, vous avez l'idée. J'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve ça marrant. Généralement, quand un acteur, un chanteur, un réalisateur est accusé de violence, s'ensuit toujours un « Oh mais non, mais il fait de si bons films, oh, mais j'adore ses chansons, mais avec Stéphane, c'est quoi ?» Mais il a vendu un T2 avec shot sur le palier en banlieue de Rouen pour 400 000 balles. C'est un génie de l'immobilier. Lors de sa garde à vue en mars, Stéphane Plaza a affirmé qu'il n'avait pas été violent et ne le serait jamais. Ok, après c'est pas un argument hein, de dire jamais. Moi par exemple, j'avais dit « Jamais je finirais bourré à une soirée de boulot à essayer de mettre 18 mini sandwich au thon en même temps dans ma bouche. Et pourtant, hier, c'était le pot de rentrée de Radio France. Bref. Bon, là, je vais essayer d'expliquer des trucs de justice compliqués. Hein. Voilà. Mais en gros, les avocats de Stéphane Plaza, ils font des trucs d'avocats, là. Voilà. Donc, j'ai bien fait de jeter mon diplôme de journaliste aux chiottes et de devenir humoriste, moi. Mais en gros, ils contextent le nombre d'ITT des plaignantes. Les ITT, c'est comme les RTT. Bah non, Marie, t'es teubée. Les ITT, c'est les jours d'incapacité totale de travail. Et il y a une des victimes qui s'est fait délivrer des ITT par un médecin interne. Donc, il n'a pas encore de diplôme. Alors, qu'on fasse pas confiance à un apprenti coiffeur de chez Desange, je comprends. Autant l'interne en médecine, assez peu de chances de finir avec un carré plongeant après la consultation.
la défense de Plaza, c'est de dire que ces femmes se sont liguées contre lui et qu'il s'agit d'un complot. Mais il croit quoi ? Qu'il va avoir un documentaire sur Netflix ? Bon allez, ça y est, fini de rigoler, on va laisser la justice faire son taf et moi je vais continuer à faire le mien en espérant que l'actu sera un peu plus marrante demain. Oh, mais certainement. Oui, j'espère. Merci beaucoup Marie. Alors oui, c'est bien de s'indigner, mais c'est important aussi de kiffer. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de la Mostra de Venise, on a décidé d'inviter Nicole Garcia. Nicole, vous qui êtes une habituée de la Mostra, on peut le dire, on arrive comment concrètement là-bas, sur le tapis rouge ? On arrive en gondole, comme c'est à Venise, comment ça se passe ? Vaporetto. En vaporetto. Oh là là, ça, c'est à partir de l'aéroport. Oui. À partir de l'aéroport directement, oui, on vient vous chercher. Oui. C'est magnifique. Bah oui. On parlait tout à l'heure, Nicole, vous nous disiez que vous, au cœur du Zoom Zoom Zing, qu'on a découvert que vous regardiez assez peu la télé, puisque vous ne connaissiez pas Julien Arnaud, ce qui est quand même étonnant. Comment vous consommez le cinéma aujourd'hui ? Est-ce que vous faites partie de ces grandes figures du cinéma qui nous disent « Non, moi, le cinéma, c'est au cinéma, c'est en salle. » Ou est-ce que vous consommez, est-ce que vous êtes abonné à Netflix ? Est-ce que Nicole Garcia est abonnée à Netflix ? Oui, mais je vais en salle. Là, je vais tout à l'heure à une projection à 19h30, donc il faut que je parte. Non. Vous n'avez pas délaissé le grand écran, mais vous consommez comme tout le monde. Bon, oui, voilà, oui, oui. Choses qui sont... D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence, puisqu'on parlait ça entre Cannes et Venise, c'est que pour l'instant, Venise prend des films qui viennent des plateformes et pas... C'est une politique très différente. Voilà. Et parce qu'ils n'ont pas le même réseau en Italie de cinéma c'est exceptionnel que nous avons en France. Donc, voilà. Mais maintenant, c'est ça qui fait un peu maintenant la différence et le déséquilibre un peu entre Cannes et Venise, quoi. Cette acceptation, l'autre non, Cannes non, pour l'instant. Et donc, les Américains fournissent beaucoup de plateformes. C'est un peu voilà, je crois que c'est ça. Et si je vous entends, renseignez-vous auprès de gens plus compétents. Vous êtes pour le fait que des films de Netflix, des films de plateforme soient en compétition dans les plus grands festivals. Vous, ça vous pose aucun problème. Vous trouvez que c'est le futur? C'est vous qui le dites, ça. Non, il me semblait que c'était ce que... Non, je dis que c'est la politique de Venise, c'est encore la résistance de Thierry Frémaux. Et c'est vrai qu'il protège, parce qu'il y aura un problème des syndicats, enfin, des salles en France, du circuit de distribution des salles, qui trouveraient difficile de primer des films, et que ce soit... Que les gens... Donc il faut que les films, je ne crois pas me tromper en disant ça, que les films... J'ai l'air très très peu informé. Non, mais je continue quand même... que les films aient quand même soient exploités dans les salles pour qu'ils puissent être autorisés à passer Et vous, Nicole Garcia, vous pourriez réaliser un film pour Netflix, par exemple ? Oui. 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 D'ailleurs, vous lancez un appel. J'ai leur numéro, je vais vous aider. Je suis prête à... Oui, voilà. Mais j'ai joué comme actrice dans une série de Netflix... Vous l'avez pas vu, cette série ? Attendez, laquelle, Nicole ? Laquelle ? Éclairez-nous. Qui s'appelait « Tout va bien ». Avec oh là là, oui, tout va bien. C'est récent, une sexy, une série sur Disney Plus. Il me semble que c'est sur Disney Plus. Il y a eu beaucoup de succès avec Virginie Efira, etc. Et Sarah Giraudot. Évidemment, je l'ai vu. C'est super. Voilà. Vous aviez oublié le titre, Manon? Non, mais parce que vous aviez dit Netflix. Du coup, j'étais perdue. Alors, visiblement, Disney. Non contente d'avoir raté sa carrière dans le cinéma, elle ne reconnaît pas Nicole Garcia dans une série. Manon, ça va très loin. Non, elle m'a sauvée. Je faisais l'erreur. Je disais Netflix, alors c'est Disney. Ah, c'est horrible. Alors là, oui, plus de contrats. Une fin de carrière après, un passage dans Zoom Zoom Zen. Alors qu'on lance un appel d'offres. Et ça... Quentin. Un film vaut mieux le découvrir au cinéma aujourd'hui ou... Oui. Ah, toujours. Oui. Pourquoi? Parce que. Je veux répéter des choses que vous avez déjà entendues plein de fois. D'abord parce qu'on ne fait que ça, on est là pour ça, on s'est déplacé pour ça. Les conditions d'image et de son sont bien plus belles que chez vous, même avec un grand écran. Et puis, c'est le cinéma, quoi. C'est un peu comme le théâtre vivant. On y va, on se déplace, on le consomme. On peut voir des films qu'on a déjà vus ou voir des très grands films encore qui ne se passent pas. Moi, je regarde beaucoup de films comme ça, mais bien sûr. Bien sûr, mais je prêche pas pour ma foi dans le cinéma et dans les salles, mais ce serait tellement dommage que ça disparaisse, que ça ne soit pas pérenne, que ça ce serait tellement dommage que ça, même pas que ça disparaisse, ça disparaîtra pas, mais que ça soit en difficulté face à ces mastodontes qui nous arrivent sur les plateformes. Nicole Garcia, comment quand on a votre carrière, on reste passionnée, curieuse et comment on arrive toujours à se projeter ? Il y a des artistes, comme par exemple Alain Delon, qui nous a quittés, qui, ces dernières années, on va dire ces dernières décennies,
il refusait, il avait du mal à aller vers la jeune génération d'acteurs, il vivait beaucoup dans le passé. Comment, quand on a vécu les grandes heures du cinéma, qu'on a bossé avec Bertrand Tavernier, Claude Miller, Bertrand Blier, Alain René, qu'on a été, pardon, c'est pas le côté people qui m'intéresse là-dedans, juste le côté côtoyer des gens vraiment exceptionnels, vous avez été la compagne de Jean Rochefort, comment on garde la curiosité pour les nouveaux acteurs, les nouveaux réalisateurs? Tout ce qui se fait de nouveau. Je pense que c'est comme ça, parce qu'on garde ça. Je pense que ça a été peut-être un peu le malheur, entre guillemets, d'Alain Delon, que je connais pas, mais qui, à un moment donné, après le film de Godard, n'a plus rien fait, et qu'il se soit pas... Je sais pas, que des gens de nouveaux cinéastes ne l'aient pas appelé, je pense, ou qu'il soit pas mis en disposition de l'être, ou de les appeler lui-même, ce qu'il n'a pas fait, mais... Pourquoi vous trouvez que je garde une sorte d'intangible? Oui, mais... plein de gens comme moi gardent cette même l'enthousiasme, le désir votre question m'étonne. Vous trouvez, parce qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup dans le passé, des gens qui, comme ça, n'ont pas l'air d'aller vers la jeune génération, ce qui n'est pas du tout effectivement votre cas, on le voit dans les choix que vous faites dans les films, les acteurs, les actrices que vous embauchez. La prochaine fois qu'on vous verra à l'écran, ce sera dans Les Rêveurs d'Isabelle Carré. Ça parle de quoi? Le titre est beau. Oui, Les Rêveurs. Ça parle d'elle. Elle, son parcours, le fait qu'elle a dû passer quelques temps quand elle était adolescente à l'hôpital de la Hennec en psychiatrie. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, mais enfin, tant pis, c'est trop tard. Et qu'elle soit devenue après l'actrice qu'elle est. Voilà. Et je joue une petite chose. Je suis à un moment donné dans son parcours, la professeure de théâtre qui l'a, entre guillemets, sauvée, quoi, qui lui a dit qu'elle pouvait trouver dans le théâtre une manière de sortir de ses douleurs, de ses tourments, ce qui est une vérité, ça peut offrir ça, le théâtre. Un tout dernier mot, vous venez de dire que vous ne connaissiez pas Alain Delon. Moi, j'ai lu que vous l'aviez croisé à la sortie du Fils préféré ce jour-là. Il vous aurait dit, moi, je voudrais bien un jour être pour vous le père préféré. Oui. Et vous avez déclaré à la suite de ça, j'aurais dû réfléchir à cette proposition. C'était une invitation qui était quand même très élégante. Une histoire manquée entre Nicole Garcia et Alain Delon. Mais oui. Non, c'est vrai. Ouais. Il était venu à la table où j'étais au César parce que Gérard Lanvin avait eu le César pour le Fils préféré. Il avait dit, je serai volontiers un jour avec une voix très votre père préféré. Et je laissais passer ça. Manon ne l'aurait pas laissé passer, elle. France Inter, il est 17h45. À vos côtés, justement, quand on pense qu'elle aurait dû être la nouvelle Nicole Garcia. C'est en tout cas comme ça qu'elle avait demandé à son agent de la présenter dans les castings à l'époque. Manon Mariani a depuis longtemps tiré une croix sur sa carrière de comédienne. Ça. Plus exactement, le 4 septembre 2022, au lendemain de la diffusion de l'autopromo dite « De la honte ». Son agent était alors décédé brutalement, victime d'une terrible fatigue informationnelle. Tout ça est loin. Manon, désormais, vous êtes journaliste, experte des réseaux sociaux. Et justement, c'est l'heure de la veille sanitaire. Aujourd'hui, on repart en Corée du Sud. Les femmes coréennes se rebellent et elles utilisent X pour le faire, car depuis quelques jours, des comptes anonymes qui se décrivent comme ceux de féministes coréennes dénoncent les pratiques abjectes d'un groupe Telegram qui compte plus de 200 000 abonnés, dont l'essentiel sont des hommes. Dans ce groupe, des milliers de deepfakes pornographiques sont partagés. On y trouve donc des montages de femmes objectifiées sexuellement sans leur consentement. Certains membres vont même jusqu'à créer des deepfakes sur des femmes de leur propre entourage, comme leur mère ou leur sœur. D'autres dévoilent aussi les informations personnelles des femmes en question, donc leur âge, leur nom ou leurs adresses. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur sur X, où des captures d'écran de ce fameux groupe sont partagées. Le but des Coréennes, alerter la communauté internationale sur ce qui se passe dans leur pays, car elles ne s'y sentent ni entendues, ni prises au sérieux. Elles ont donc décidé de taguer directement des grands médias, comme celui de la BBC, et de s'adresser à des comptes féministes très suivis pour relayer leurs paroles. C'est le cas de Woman in Leisure, gérée par une femme coréenne qui habite maintenant aux États-Unis. Dans un long message sur X, elle dit qu'elle veut sensibiliser le public à ce qui se passe, car les jeunes coréennes ne sont pas aidées. Alors c'est terrifiant, il y a des réponses? Alors oui, des articles commencent à en parler, même dans la presse coréenne, mais surtout hier, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur les crimes sexuels numériques, en particulier sur les deepfakes. Alors le président n'a pas parlé explicitement du groupe Telegram en question, mais vu le timing, on peut imaginer que c'est grâce à ces signalements sur X que le problème a été pris au sérieux. Et selon les autorités du pays, le nombre de crimes sexuels en ligne aurait doublé en 4
4 ans, depuis le début de l'année, 297 cas ont été signalés. Alors sur le papier, évidemment, on se dit que c'est une bonne chose que le président prenne ces cas de deepfake au sérieux. Sauf que Yoon Suk Yeol est loin d'être une figure très féministe. Au contraire, il est décrit comme un conservateur misogyne. Il a notamment dit qu'il voulait abolir le ministère de l'égalité des sexes et de la famille, ou encore que le féminisme était responsable du faible taux de natalité dans le pays. Ben tiens, difficile de lui faire confiance. Exactement. Encore une fois, c'est pas pour rien que les Coréennes veulent que cette histoire prenne de l'ampleur à l'étranger. Sur X, certaines disent à quel point elles ne sont pas prises au sérieux par les autorités quand elles dénoncent des abus sexuels et que c'est tout le système patriarcal du pays qui doit être remis en cause. C'est aussi pour ça qu'un mouvement féministe coréen a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Je vous en avais déjà parlé. Il s'agit du mouvement 4B, un mouvement extrême dans lequel les Coréennes disent non au mariage, non aux enfants, non aux rencontres et non aux relations sexuelles. Bref, elles disent non aux hommes pour avoir la paix. C'est radical. Alors oui, mais vous imaginez bien qu'on n'arrive pas à un tel mode de vie pour rien. Ce qui est assez fou, c'est que les hommes coréens essaient de renverser la tendance en disant qu'ils se sentent discriminés par les femmes. Et les plus vindicatifs sont ceux de la jeune génération. Selon Vice, 79% des hommes âgés de 20 à 29 ans pensent que les discriminations à leur égard sont un problème sérieux. Certains vont même jusqu'à lancer des campagnes de harcèlement en ligne contre les féministes coréennes revendiquées, d'où le fait que la plupart ont maintenant des comptes anonymes sur X. Et puis ça pose aussi question concernant l'application Telegram. Évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, car son créateur vient de passer 4 jours en garde à vue en France, en cause l'absence de modération de la plateforme, justement. L'affaire ne fait que commencer. En attendant, le groupe que dénoncent les Coréennes serait encore actif à l'heure actuelle. Merci beaucoup Manon pour cette veille sanitaire. Nicole Garcia, je ne vais pas vous parler des deepfakes, je ne pense pas que ce soit un gros problème dans le cinéma. En revanche, l'IA, on en a énormément parlé. Aux États-Unis, il y a même une grève. Il y a beaucoup de gens du cinéma qui ont peur que l'IA prenne des jobs. Ça vous fait peur ou vous pensez que c'est juste une évolution? Non, mais c'est un gros danger, c'est vrai. C'est un danger. En tout cas, il faut y penser parce que ça peut être quelque chose de, qui arrive et qui soit complètement invasif et terrible pour l'imaginaire même. Voilà. Bah, oui. Vous travaillerez, vous, avec une intelligence artificielle pour vous aider? Non, je n'ai pas besoin. Ah ben ça, mais loin de moi l'idée de dire ça. Mais il ne manquait plus qu'elle pour que cette émission soit parfaite. Bonjour Tania Dutel. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez envie de réagir à l'actu. Tout à fait. Alors Cyril m'a dit oui que je devais dire en deux phrases de quoi j'allais parler. Donc ça, c'était la première phrase. Et la seconde, bah, je vais parler de la Mostra de Venise puisque c'est le sujet que vous m'avez imposé. Bien joué. Restez avec nous. La rencontre Tania Dutel, Nicole Garcia, c'est juste après Payback, Aaron Fraser sur Inter. Ooh.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter. Zoom Zoom Zen spécial Mostra de Venise continue avec notre invitée Nicole Garcia et cette sacrée Tania Dutel. Bonjour Tania, ça faisait longtemps. Eh ben oui, bonjour Mathieu, puisqu'il y a eu l'été donc. C'est juste. Et alors vous avez surfé? Oui. Il y a eu du progrès? Pas tant. Et vous avez suivi les JO? Pas tant. Bon, on va partir sur la chronique en espérant que vous avez été inspirée. Pas tant, mais je suis très contente, très très contente de vous retrouver. Vous n'avez rien à dire sur la Mostra de Venise? Si, en fait, je suis partie de la météo, puisque c'est le premier sujet qui vient sur la table quand on ne sait pas quoi dire. Toi, salut, comment tu t'appelles, Tania? Il n'y a pas un anticyclone qui arrive. Il fera donc chaud sur toute la durée du festival, mais évolution orageuse possible le 5 et orage le 7. Donc ne vous mettez pas sous des arbres et pensez à prendre un caouet. En gros titre, on a eu Brad Pitt et Angelina Jolie réunis à la Mostra de Venise. Des mesures radicales ont été prises pour leur venue. Et en fait, les mesures radicales, c'est juste qu'ils ont programmé leur film des jours différents, donc ils ne se croiseront pas. L'article nous rassure quand même en disant qu'ils seront séparés par 16 heures d'avion, une distance suffisante pour assurer la sérénité des festivaliers. Et bon, il est vrai que c'est rassurant parce que 16 heures d'avion, c'est beaucoup. Hein. C'est pas comme si tu venais de prendre ta voiture depuis 10 minutes et que tu disais « je ne lui ai pas dit tout ce que j'avais à dire, je vais y retourner ». Là non, il faut atterrir, aller revitailler en essence et repartir. Donc oui, les festivaliers n'auront aucun souci à se faire. Enfin, sauf pour l'orage, mais vous pourrez vous réfugier dans les salles de cinéma. Alors, Madame Garcia, rien à voir, mais je pense qu'il ne faut pas coucher avec des humoristes, voilà, je voulais vous le dire. En fait, j'ai un ex qui n'est pas content parce que j'ai parlé de lui dans un sketch, il était fétichiste des pieds, il connaissait mon métier. Non mais moi, mon job, c'est d'écrire des blagues. Excusez-moi, j'aurais été débile de passer à côté du sujet, quoi. Le gars, il veut que je le branle avec mes pieds, évidemment que je vais faire un sketch sur ça, je ne suis pas complètement bête. Donc, il n'était pas content. Après, il habite sur un autre continent. Alors, pas 16 heures d'avion, mais bon, ça lui coûterait quand même un petit billet pour venir se plaindre directement, alors que je l'avais prévenu en amont. Enfin bon, revenons sur le sujet. Donc la Mostra de Venise, ça commence mieux que le Festival de Cannes, puisqu'il n'y a pas eu de liste d'acteurs hashtag MeToo. Ouais. Mais on a eu une bonne nouvelle hein, en France, avec le parquet de Paris qui a requis un procès contre Gérard Depardieu pour viol et agression concernant la comédienne Charlotte Arnoux. D'un autre côté, triste nouvelle, puisqu'à Venise, Fanny Ardant ne pourra pas aller mangiare la pasta. Quand on reçoit, comme diraient mes parents, des vedettes comme vous, mes parents disent vedettes, j'aime bien me vendre un petit peu. Donc bon, je ne suis pas actrice, mais mon dernier spectacle, il va bientôt sortir sur Canal+. Ah, vous notez pas. Après, je sais que les gens du cinéma n'aiment pas trop les stand-uppers, mais on sait aussi jouer. Vous avez réalisé Les Amants avec Pierre Ninet, Stécie Martin et Benoît Magimel. Voici ma proposition. Non. Stécie Martin, bonsoir. Pierre Ninet, t'es toute seule? Stécie Martin, non, avec mon mari. Pierre Ninet, je pouvais pas t'emmener Lisa. Stécie Martin qui joue donc le rôle de Lisa. On s'est retrouvés, Stécie Martin. Mais tu veux quoi? Tu veux que je le tue? Benoît Magimel. Je dois aller demain matin à Zurich. Un aller-retour dans la journée, si vous pouviez, si vous êtes libre. Alors voilà, ça fait pas de sens, je l'entends. J'ai pris des répliques en fait de la bande-annonce. Mais comme je sais pas prendre des voix différentes pour les hommes, je fais un accent belge pour marquer la différence en fait. C'est pas con. Voilà. Après, je vois que ça ne parle pas, mais moi j'ai une super idée pour un prochain film si vous voulez le réaliser. Donc ça part d'une histoire de fétichiste des pieds. Je peux jouer mon propre rôle. Et j'ai déjà une super fin en fait, c'est qu'il y a un départ d'incendie dans l'immeuble. Et moi je suis condamnée à mort parce qu'en fait je peux pas fuir parce qu'il m'a foutu plein de lubrifiant sur les pieds. Quelle horreur! Merci. Elle prend, oui, mais alors sur Netflix uniquement, elle a un contrat d'exclusivité. Merci. Ou Disney, c'est mieux, hein, c'est mieux. Merci Tania Dutel, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci infiniment à vous, Nicole Garcia, de vous être prêtée au jeu, de nous avoir raconté votre expérience de la Mostra. Est-ce que vous suivez ce genre d'événement, ce genre de festival, quand vous n'y êtes pas? À distance, vous passez des coups de fil aux copains? Je regarde les robes sur le pour vous faire plaisir. Bien sûr. Si, on regarde les critiques, on attend la récompense, on attend le palmarès, mais si, j'ai des amis qui sont en compétition là, donc. Vous suivez tout ça? Ouais. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu suffisamment de Nicole Garcia cet après-midi, et il y en a, à commencer par Cyril Lacarrière, je vous signale qu'on pourra vous entendre dimanche dans le grand atelier présenté par l'ami Vincent Josse. C'est à 17h sur Inter. Merci à tous les amis, Manon, Marie, Quentin, celui qui va maintenant bondir sur Nicole pour lui arracher un autographe. Vous avez eu peur, la formulation faisait peur, c'est vrai. Cyril, à demain. Je salue également Florence Vimalac, Alexia Lacour et Laura Dumez qui nous aident à préparer cette émission. À la réalisation, c'était Alicia Vullo, Alex Ola
Pareo et tout, Otinoa était à la technique. Je pense que j'ai complètement foiré son nom, mais il ne m'en voudra pas. Merci à tous. Zoom Zoom Zen revient demain 16h. Et de Nicole Garcia, on passera à Goldorak. Oui, comme quoi les amis, là. De la diversité à l'éclectisme, il n'y a qu'un pas, et de l'éclectisme au n'importe quoi aussi. Bonjour Fabienne Saint-Est. Fabienne Saint-Est n'est pas là parce qu'on est en avance. Oh Nicole, on est en avance. Mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et c'est avec vous, Nicole Garcia. Jacques Audiard a dit « J'aurais pas pu tourner Emilia Pérez il y a 10 ans. » Est-ce que le cinéma a changé? On aborde des thèmes qu'on n'aurait jamais abordés avant. Vous le sentez, vous, dans vos projets de réalisation? J'ai une question en plus pour tenir l'horloge. Exactement. Oui, c'est sûr, oui, des thèmes différents, oui. Est-ce qu'il n'aurait pas pu tourner Emilia Pérez avant? Je ne sais pas, mais s'il le dit, oui, sûrement. Mais vous ne voyez pas de changement? Vous ne voyez pas de changement? Mais si, il y a des changements tout le temps, parce qu'on est dans l'histoire, on est dans un flux de choses, tout change. Mais vous dire spontanément qu'est-ce qui change, depuis MeToo, des choses changent. Oui, tout change, tout le temps. Et le prochain film, vous nous l'avez annoncé, sera réalisé en collaboration avec l'IA. Il est 18h sur France Inter. Ah, il n'est pas du tout 18h sur France Inter.